21h minuit sur metatv.org. Alors, le son passe, le son ne passe pas, est-ce que, voilà, bon, le son passe apparemment. Donc vous nous entendez bien, bienvenue à tous ceux qui sont sur le chat, hein. Désolé pour ce petit retard. Donc Albert Ali, en fait, a été bloqué sur l'autoroute, donc il va en fait faire une entrevue Skype avec nous, donc on attend son appel, il sera avec nous sur Skype, ouais, j'imagine dans quelques minutes, hein. Donc il a pas pu venir en direct comme c'était prévu, en physique si j'ose dire, donc il sera quand même là, mais par téléphone, donc vous pourrez le poser, voir vos questions. Vous êtes en plus vachement nombreux, puisque j'ai vu que vous avez commencé déjà à poser des questions pour Albert Ali, vous avez déjà commencé à entamer le débat, si j'ose dire. Donc quand il va arriver, je me ferai le transmetteur de toutes vos interrogations. Donc bonjour à tous, je vois, voilà, vous nous dites tous bonjour. Ozzy se régale de ce retard pour une fois, hein, rattraper tous les retards pour toutes les fois où on était à l'heure, hein, évidemment, mais là c'est un petit problème technique indépendant de notre volonté, comme on dit dans les grandes chaînes autorisées. Alors pour revenir donc au débat, puisque je sais que vous allez être nombreux à poser des questions, le combat d'Albert Ali sur islam et patriotisme, et finalement, comment dire, une espèce de compatibilité, on va dire, entre la religion musulmane et la République, puisque c'est ce que présente Albert Ali, ce qu'a une analyse, voilà, assez singulière, puisque on n'entendait pas trop de voix nous expliquer qu'il y avait une compatibilité. Alors lui, il explique cette compatibilité. On va approfondir avec lui, savoir selon lui, sur quoi il faut se fonder, puisque s'il y a des, on va dire, certains principes à respecter. Et il donne donc sa définition de l'islam et évidemment une définition de la nation et de comment pouvoir, on pourrait dire, greffer l'islam dans la République, et au-delà de ça, je pense, peut-être certainement, dans la France. C'est peut-être, il prend, puisqu'il part du postulat aussi, que la France est une nation chrétienne. Donc à partir de là, il part de ce principe, comment dans une nation chrétienne, un islam peut se développer. Et c'est assez intéressant, assez singulier. Je pense que vous avez été nombreux, j'ai vu, à débattre tout à l'heure sur les communautés, sur comment effectivement on pouvait, on va dire, associer, comment cet islam pouvait s'intégrer. Alors, il y a les deux termes, l'intégration, l'assimilation, ça c'est aussi ces deux notions. Alors, on pourra en parler aussi avec Albert Ali ce soir, puisqu'il est très au fait de ces questions, voilà, pour répondre à l'assaut. Alors on me dit, Pascal Ian va avoir droit à un troisième lapin. Je ne pense pas, ce sera un demi-lapin. Hein. Ce ne sera pas un lapin entier, juste une patte de lapin, si j'ose dire. Hein. Donc oui, ça porte chance. Mais je pense qu'Albert Ali sera avec nous donc par téléphone d'ici quelques minutes. Normalement, il devrait nous appeler. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore sur le chat? Ouais, d'accord. J'avais 15 minutes de retard. Oui, Ozzy, tu avais raison, tout à fait. Il y avait bien 15 minutes de retard. Alors, islam et république, c'est pas compatible. Vive la Nation of Islam, Pascalien qui dit ça. Nation of Islam, si je ne m'abuse, si c'est la Nation of Islam américaine, elle paraît être très, on va dire, très infiltrée. Hein, pas très crédible, cette Nation of Islam, même si il y a des personnages charismatiques, hein, voilà, on le sait, Farrakhan, hein, qui a sorti des grands discours comme ça, qui était assez intéressant. Mais il y a plein de choses que je trouvais intéressantes dans ce qu'il disait. Il s'est fait taxer souvent d'antisémitisme pour avoir pris le parti des Palestiniens et vivement critiqué Israël. Voilà, ça, on est parfaitement habitué. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Je suis curieux de comprendre comment il s'arrange. Alors, ça c'est Daniel Q. Je suis curieux de comprendre comment il s'arrange avec l'obligation faite de vivre dans la Oumma et la présence sur un sol païen.
Mais pourtant, je pense que du point de vue de Albert Alim, on lui demandera, hein, peut-être je m'avance, mais pour lui, justement, c'est pas un sol païen, puisque la France est une terre chrétienne. Donc là, le postulat de départ, si j'ose dire, c'est pas tout à fait celui-là. C'est-à-dire que lui, il pense vraiment que la France est une terre chrétienne et non pas une terre païenne. Hein, ça paraît évident. Alors, Free My Mind, j'ai jamais vu d'Africain ponctuel, c'est pas grave, t'es pas. Eh ben, moi, ça, c'est pas du cliché. Hein, c'est voilà, c'est. Non, c'est juste pas du cliché. Hein, j'ai jamais vu d'Africain pas ponctuel. Bravo, bravo, mon cher Free My Mind. Alors, Pipo nous dit Albert ne parle pas de république mais de nation, tout à fait, il parle de nation, effectivement, je rectifie, le sens des mots est tellement important, donc effectivement il parle bien de nation. Voilà, est-ce que l'islam est compatible avec la nation française? Alors c'est bien évidemment le concept de nation, tout à fait. Alors, pourquoi est-ce que Chalgoumi, sur tous les médias, il prépare encore un livre où on voit jamais les musulmans du type Albert Ali ou Kamel Béchik? Évidemment, ça c'est Heisenberg qui dit ça. Entièrement d'accord. C'est pour ça que je parlais de la singularité du discours d'Albert Ali, qui n'est pas très mis en avant. On cherche effectivement à nous montrer des musulmans qui se soumettent à une forme d'obligation de reconnaître, vous savez, les grands postulats de départ, hein, puisque Chalgoumi, lui, il admet tout, lui. Alors, il admet le sionisme, l'économie de marché, le néolibéral, même la théorie du genre, ça le choque pas. Enfin, vous voyez, il admet tout, voilà, on veut des gens absolument lisses, hein, absolument sans aucun fondement, parce que, on voit bien que ce personnage-là n'a absolument aucune vision politique. Il s'exprime dans un français approximatif, pardonnez-moi. Je ne peux pas jouer les professeurs de français, mais quand on se présente quand même à la télé, qu'on a des responsabilités, qu'on prétend représenter une communauté. Alors, vous voyez, moi qui n'est pas du tout dans ce système de communautarisme, mais je suis bien obligé de voir que les communautés existent, que des gens prétendent les représenter. Et donc, Chalgoumi en fait partie, bien qu'il ne représente pas, on ne sait pas qui vraiment, puisque, vous savez, Chalgoumi, c'était un homme déjà qui avait beaucoup de problèmes dans sa ville, hein, dans la mosquée de Drancy, avec Jean-Christophe Lagarde. Hein, Jean-Christophe Lagarde, qui je soupçonne d'avoir mis en relation tout un tas de réseaux de mosquées en France, sous l'islam de France, puisqu'on retrouve dans les villes centristes à chaque fois le même principe, avec une mairie qui essaye, comme ça, de s'accaparer. La mosquée de la ville et de pouvoir nommer elle-même les imams afin que l'enseignement islamique aille dans son sens. Voilà, donc je pense qu'on va avoir Albert Ali dans pas très longtemps avec nous à l'antenne. Bon, hein, au moins on va se régaler, te pas de lapin, le chasseur de lapin, ben non, je vous l'ai dit. C'est juste une patte de lapin, donc ça porte bonheur. Donc il y aura quand même. Albert Ali avec nous, et puis de toute façon, on aura l'occasion, j'espère bien, de pouvoir le réinviter en physique. Alors, voilà. Allô? Oui, allô? Oui, bon. Oui, bonjour. Vous nous Oui, entendez? bonjour. Voilà, vous êtes à Je vous l'antenne. entends. D'accord, je vous entends. C'est pas extraordinaire, mais on va essayer de faire avec. Ça résonne légèrement en plus. Ah, peut-être là, le son va être meilleur. Ça va? Ben ouais, ça m'énerve un peu, mais bon. De toute façon, j'étais sur la route pour venir vous visiter et voir Meta TV, mais bon, là, malheureusement, on a des impératifs qui font qu'on n'a pas pu arriver à temps. Et bon, la route, j'espère qu'on aura du réseau pour un petit moment. Ouais, bah écoutez, voilà, on va faire l'interview comme ça. Merci d'être à l'antenne. Les auditeurs sont présents, les métanautes comme ils se surnomment eux-mêmes. Et il y a tout un tas de questions déjà sur le chat, avec entre autres la première question, c'est sur votre analyse que vous développez sur la compatibilité entre l'islam et la nation française. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, vous, justement, un petit peu cette analyse? D'accord. Alors peut-être qu'il serait intéressant avant peut-être d'expliquer d'où je parle pour comprendre effectivement pourquoi j'en arrive à m'interroger sur ces questions-là. Ouais. Donc j'ai 40 ans, je suis papa de 4 enfants, dont le plus âgé a quasiment 14 ans, et je suis un fruit
le produit parfait de l'immigration massive des années 60-70, immigration de travail, et même quasiment de l'immigration post-Seconde Guerre mondiale, puisque mon grand-père est arrivé en France en 1947. Je suis donc d'origine algérienne, mes parents ayant vécu donc pendant la domination française. Et donc naturellement, de par mon parcours historique et scolaire, j'ai été amené à avoir des questionnements quant à la place dans la société française, notamment du fait que, en tant qu'héritier d'immigration algérienne, donc nécessairement du conflit, ou en tout cas de la guerre d'indépendance algérienne qui était assez présente dans la famille. Je me souviens, très petit, à 5-6 ans, mon père a acheté des revues de paras français pour regarder, ne serait-ce que se remémorer les paysages d'Algérie. Il nous expliquait, on était petits, que voilà, c'était le type d'hélicoptère, c'était les hélicoptères qu'ils pouvaient voir au-dessus du village, bombardés, enfin voilà. Donc la guerre d'Algérie avait quand même une certaine présence. J'ai aussi vécu des années, quand j'étais plus jeune, des années SOS Racisme, mais j'étais assez jeune à cette époque, mais on a profité de quelques concerts notamment. Et dans des quartiers populaires, on vivait aussi un peu les problématiques de tension, notamment avec les forces de l'ordre. Voilà, et donc j'ai été baigné dans cet environnement qui nécessairement m'a socialisé dans une sur le plan militant on va dire durant mes années fac et lycée dans une lecture plutôt dans une démarche antiraciste classique et anticoloniale donc quasiment jusqu'à mes études universitaires. Et c'est à partir de mes études universitaires si vous voulez où j'ai travaillé notamment sur l'agriculture coloniale militaire en Algérie où je me suis interrogé effectivement sur ces liens qui ont pu exister entre l'armée française notamment et le monde de l'islam. Ayant fait aussi un peu de théologie, je me suis intéressé à... Allô ? Je ne sais pas si vous m'entendez, je ne vous entends plus. Oui, vous êtes là, on vous entend. Ok, voilà, donc okay, très bien. Et donc, si vous voulez, j'ai été amené, il y a 6-7 ans maintenant, à m'interroger sur ces questions de quelle place pouvait avoir, les, non pas tant l'islam en soi, mais parce que bon, l'universel islamique est une chose, mais les communautés, les communautés issues de l'immigration, qui possèdent toutes des identités collectives, donc les Comoriens ne sont pas des Algériens, les Algériens ne sont pas les Turcs ne sont pas les Sénégalais ou les Marocains ou les Égyptiens de Paris. Donc toutes ces communautés issues de l'immigration récente, mais qui ont comme dénominateur commun effectivement d'être musulmans, ajoutées bien sûr au débat public sur la question de la visibilité de l'islam, tout cela m'a amené depuis 6-7 ans à me poser la question finalement, qu'est-ce que ça signifiait d'être, d'appartenir à une culture émigrée, de vivre finalement une rupture et un exil, d'être déraciné, parce que finalement, notre génération, ou les gens issus d'immigration, on va dire africaine et nord-africaine, ont vraiment un questionnement identitaire qui est réel, si vous voulez. Et donc, petit à petit, j'ai été amené à la conclusion que pour pouvoir préserver les fondamentaux que pourrait être l'universel islamique, et permettre à ces communautés finalement d'envisager un avenir serein, c'est de penser à sédentariser l'universel islamique à travers des communautés dont les enfants ou les petits-enfants pourraient être parfaitement assimilés sur le plan culturel, c'est-à-dire qu'ils seraient des Français finalement comme les autres, qu'ils pourraient partager le logiciel culturel français dans sa grande majorité, tout en préservant bien sûr une mémoire familiale, mais en restant sur une identité culturelle, en tout cas une appartenance spirituelle, qui serait bien sûr celle de leurs ancêtres musulmans. Et donc voilà, j'ai été amené à théoriser ça, enfin en tout cas essayer de théoriser ou de réfléchir sur cette question pour bien sûr comprendre ce que peut être la France, puisqu'il s'agit finalement d'interroger la France. Je me suis naturellement intéressé à ce qu'on appelle la droite nationale et donc à tous ces divers milieux. J'ai rencontré bien sûr des gens, j'ai rencontré Jean-Marie Le Pen lui-même, les milieux de la droite nationale, les gens de l'Action française, les royalistes, les païens, j'étais même voir Serge Ayoub dans son bar. Non pas que finalement je considère que tous ces gens-là représentent tout seuls la France, mais quelque part ils sont des témoins de l'histoire ou d'une identité française qui existe. Et à partir de là, j'essaie effectivement de réfléchir depuis quelques années, et ça va donner lieu à un prochain livre, aux conditions qui pourraient formaliser la sédentarisation définitive des populations issues de l'immigration, on va dire africaine musulmane, dans le cadre d'une homogénéité culturelle avec le reste de la population française, mais c'est un défi très compliqué puisque nous sommes dans la mondialisation, les enfants des Français eux-mêmes sont aujourd'hui déstructurés sur le plan culturel, nous subissons, les JRE le démontrent bien, un assaut de plus en plus évident
sur les fondamentaux de ce que pourrait être un peuple, c'est-à-dire après l'explosion des frontières, après l'explosion de l'identité nationale française, après l'appauvrissement de la langue par le nivellement par le bas dans les écoles, après la standardisation de l'alimentation, la déstructuration des centres-villes, etc. Donc finalement la perte de tout ce qui faisait des éléments de l'identité française décennie après décennie. Aujourd'hui on en arrive à retirer même ce qui est le plus évident, à savoir l'identité sexuelle tout simplement. Et donc finalement dans ce contexte c'est très encore plus compliqué de pouvoir parler de ce sujet que serait la préservation, on va dire, de l'universel islamique ou de l'universel musulman au sein de populations françaises qui serait une population renouvelée mais forte de ses traditions culturelles, de ses fondamentaux identitaires, avec des Français issus finalement de assez récents mais issus de diverses communautés mais qui seraient assimilés culturellement pour fonder une population française comme elle l'a toujours fait dans l'histoire. Mazarin, on peut remonter plusieurs siècles en arrière, effectivement, il est d'origine italienne, mais il a fini ministre du roi. Donc l'idée, c'est comment penser ça dans le contexte très complexe qui est le nôtre, celui de la post-mondialisation quasiment. Donc voilà un peu, très résumé, les cadres de réflexion que je me suis imposé depuis plusieurs années. C'est compliqué, les solutions ne sont pas claires, mais en tout cas, ça me passionne. D'accord. Parce que justement, cet islam-là, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le cas que vous décrivez, c'est-à-dire cette génération d'enfants qu'on dit immigrés, mais qui ne sont pas vraiment immigrés, puisqu'il s'agit des fois de deuxième ou troisième génération. Et pourtant, on sent qu'il y a un problème. Alors, juste, est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi la différence entre justement l'assimilation et l'intégration, selon vous ? Si vous voulez, les concepts d'assimilation, d'acculturation, de reculturation, de transition culturelle, enfin voilà, ce sont tous des concepts en vérité sociologiques, anthropologiques qui sont intéressants, mais finalement la vraie question de fond, elle est dans un courage politique que devraient avoir les porte-voix de ces communautés en disant bon, nous sommes effectivement des générations qui sont passés par des processus plus ou moins d'acculturation, dans des processus de revendication aussi, où on a construit des identités contre l'antiracisme, enfin contre le racisme par exemple, ou parfois même contre le français de souche, parce que voilà, c'est des manipulations qui existent. Mais aujourd'hui, le processus qui se pose, c'est tout simplement, nous avons des enfants, moi je suis père de 4 enfants, mon fils, le plus grand, a 14 ans, il a connu la Bourgogne depuis qu'il est petit, j'ai pas vraiment essayé de transmettre ces contradictions qui sont les miennes mais qui sont le fruit de mon histoire ou celles de mes grands frères, on va dire des cinquantenaires. Et finalement, avec les enfants qui sont d'un certain âge, qui sont petits, ces problématiques ne se posent pas. C'est-à-dire que se poser la question de comment on va socialiser un enfant, qu'il soit issu d'immigration ou pas, aujourd'hui à l'heure du mondialisme, c'est une question très simple. C'est de se dire finalement, entre Français de différentes origines, quel que soit notre niveau d'allégeance, d'appartenance, d'appréciation de ce que pourrait être... être français, c'est comment allons-nous éduquer ces enfants, comment allons-nous les faire grandir dans un système de valeurs, dans une langue, dans une culture, dans une représentation du monde, en préservant les fondamentaux de leur foi pour ceux qui souhaitent effectivement rester attachés à la foi musulmane qui est un universel compatible avec toutes les cultures du monde, puisque c'est l'histoire qui le démontre, toutes les sociétés anciennes, traditionnelles ou pas, païennes, des Perses aux Chinois en passant par les Noirs africains, les Balkans, les Indonésiens, enfin voilà, donc toutes les sociétés traditionnelles du monde, quand ils ont accueilli l'universel islamique, ils en ont fait, chaque société a fait sienne cet universel et l'a adopté, l'a habillé de sa culture dominante. Pour nos enfants, en vérité, il ne s'agit même pas de se positionner sur une question d'assimilation ou d'acculturation, c'est de se dire finalement, quelle socialisation à l'heure de la mondialisation pouvons-nous espérer pour que nos enfants grandissent naturellement, parce que pour eux, c'est la socialisation, ce n'est pas une violence. L'assimilation pour un adulte, il y a une forme de violence, il y a une forme d'abandon, bien sûr, de son héritage culturel. Et moi, je dis souvent, parce que j'ai souvent effectivement des gens qui me disent « Mais comment se fait-il, on ne peut pas abandonner notre culture d'origine, etc. » Moi, je dis effectivement à ces communautés que, par exemple, si on prend la communauté maghrébine, qui est où il y a des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, où il y a des Berbères, des Arabes, des gens du Sahara, etc., ce sont quasiment une dizaine de collectivités à l'intérieur des communautés maghrébines qui toutes ont un capital culturel, qui ont toutes des références culturelles. Or, ces communautés sont déracinées. Et par définition, une communauté déracinée est vouée par nécessité historique à perdre en intensité culturelle et en identité originelle, si vous voulez. Et génération après génération, c'est effectivement le phénomène d'acculturation qui existe, vont
transmettre de moi en moi de la culture ennemie. Chose une, soit on considère qu'il est sacré, que cette identité collective est très égalée, elle est créée. En ce cas-là, il n'y a pas de problème, moi je n'ai pas de divergence à dire, bah, préservons-la comme le font les Chinois. Ils le font assez bien, ils sont efficaces, ils sont dans un communautarisme intelligent de séparation avec réussite économique, ils préservent leur langue d'origine, leur culture et leurs fêtes religieuses, etc. Tout en assurant une forme de réussite scolaire et, et un double linguisme qui est efficace. Mais ils restent attachés à une nation plurimillénaire qu'est la Chine, et ils arrivent à cohabiter avec ces deux-là, et finalement, comme ils n'ont pas de problème de délinquance ou de tension sociale, parce qu'ils ont un contrôle social poussé et fort, et une réussite économique qui est efficace, et un contrôle même des, on va dire, d'une potentielle délinquance qu'ils pourraient avoir, ou de dysfonctionnements sociaux, ça fonctionne. Chez les Turcs aussi, d'une certaine manière, ça fonctionne, parce que leur communautarisme est puissant, les liens avec les pays d'origine sont très forts, mais la question, c'est de savoir, est-ce que préserver ces identités, c'est possible? Moi, je pense que pour la grande majorité des gens issus d'immigration musulmane dans les dizaines de communautés existantes, ça me paraît être très difficile, ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas, pourquoi s'entêter? Et pourquoi en faire quasiment une idéologie identitaire, un identitarisme de refus, en s'accrochant à des choses? Et on voit bien que les jeunes de banlieue, qui effectivement sont avec des drapeaux algériens, marocains, tunisiens, se revendiquent comme maghrébins, mais en vérité, 95% de leur capital culturel, de leur système de représentation, de leur langue, de la façon dont ils mangent, du rêve, etc., c'est essentiellement le français et, on va dire, la culture mondialiste américanisée, de la banlieue. Donc finalement, qu'est-ce qu'il leur reste de maghrébins? Quand ils vont au Maghreb, ces jeunes, par exemple, sont considérés comme des étrangers, ils ne sont pas considérés comme des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. Et ici, leur parcours historique et le racisme en a fait aussi des déracinés permanents, puisque eux-mêmes refusent d'appartenir à cette nation française. Donc c'est un vrai, vrai problème. Je pense qu'aujourd'hui, la solution, c'est de se poser la question en termes de génération, c'est de se dire, pour les enfants qui arrivent, il n'y a même plus de débat à avoir, va-t-on les assimiler, les acculturer? Non, il suffit tout simplement de les socialiser, mais une socialisation choisie, contrôlée, avec notamment, les JRE l'ont bien montré, avec un partenariat avec des Français qui sont dans la tradition catholique classique, avec des gens d'une certaine érudition, avec des gens qui préservent quand même encore des valeurs familiales et des valeurs traditionnelles à la française, pour leur transmettre un capital de connaissances, de culture, de réflexes culturels, de mœurs, d'habitus, de mental, de constitution mentale d'un peuple, comme on disait au XIXe siècle, afin que ces enfants puissent vivre ensemble et se socialiser naturellement pour être finalement des Français. Et chacun gardera sa mémoire familiale, le catho-tradi, effectivement, ira à la messe et préservera sa tradition familiale. Quant au monarchiste, il parlera effectivement du roi de France à ses enfants. Quant à l'enfant issu de l'immigration algérienne, il ira de temps en temps se recueillir sur le tombe de ses arrière-grands-parents. Et avec le temps, le lien sera coupé naturellement. Mais on pourra donner naissance finalement à des générations de Français assumés, forts de leur capital culturel et surtout avec une maîtrise de haut niveau de la langue française, être capable de se mouvoir dans la société française avec une identité légitime. Par contre, chacun peut conserver effectivement, sur le plan en tout cas cultuel, il faut bien distinguer les deux, donc l'appartenance au peuple, l'appartenance culturelle et l'identité culturelle qui est un héritage qu'il faut préserver. Alors, voilà. Alors, il y a une question sur le chat pour vous. On nous dit, le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a annoncé des aménagements fiscaux pour favoriser les montages de la finance islamique. Ne pensez-vous pas qu'il y aura dans le futur un islam de façade, un nouvel ordre mondial islamique tenu par des élites corrompues? Bah écoutez, moi je voyage beaucoup dans les pays musulmans, je connais notamment assez bien l'Égypte, et effectivement je constate, on peut le voir de façon assez visible, une accélération qui est assez étonnante, de la culture mondialiste, ou en tout cas des modèles de vie, on va dire, issus du mondialisme, à savoir que ce soit sur le plan économique et social, comme vestimentaire, comme alimentaire, on voit dans ces pays-là des comportements qui correspondent totalement à ça, c'est-à-dire que les gens sont dans des modes alimentaires qui sont, voilà, où ils perdent leur tradition culinaire et mangent du fast-food, que sur le plan effectivement des finances, on essaye de... La finance tout court, déjà c'est une vraie question dans la terminologie musulmane. Est-ce que finalement la monnaie papier, la monnaie électronique a une valeur?
On sait que dans la tradition musulmane classique, c'est assez contradictoire. Alors, la finance islamique, c'est une tentative de dire que dans le système dominant aujourd'hui monétaire tel qu'il est après post-Bretton Woods et post-accords financiers mondiaux après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on essaie effectivement de les aménager. Mais aujourd'hui, le monde musulman qui pourrait effectivement constituer une forme de résistance, mais qui, à mon sens, est dans une décadence depuis plusieurs siècles maintenant, résiste parce qu'il reste une espèce d'énergie cinétique spirituelle et de valeurs traditionnelles qui permet encore à ces sociétés, malgré la déflagration sociale et économique dans laquelle ils sont, permet de résister à peu près. Mais je pense qu'effectivement, à travers ces concepts de finance islamique, à travers, vous savez, aujourd'hui, vous allez à la Mecque, vous avez un McDo. Les lieux saints d'islam eux-mêmes aujourd'hui subissent de plein fouet cette forme de mondialisation urbaine, notamment avec des centres commerciaux qui sont monstrueux. Dans toute l'histoire musulmane, il n'y a jamais eu un bâtiment plus haut que la Kaaba et la grande maison cubique de la Mecque, par respect bien sûr pour le culte du pèlerinage. Et pendant jusqu'à quasiment le XXe siècle, on n'a jamais eu de bâtiment plus haut que la Kaaba parce qu'elle se voyait de loin. Aujourd'hui, quand vous prenez une photo des nouveaux aménagements urbains du lieu sacré de la Mecque, c'est incroyable. Je veux dire, ça ressemble totalement à une mégalopole occidentale, avec en plus Big Ben, avec la plus grande horloge du monde, qui est une copie de Big Ben, avec des symboles qui sont assez choquants et assez, pour les gens, férus de tout ce qui concerne aujourd'hui la culture mondialiste et tout ce qui concerne les réseaux occultes. C'est assez surprenant de voir un tel objet architectural au cœur de la Mecque. Donc effectivement, le monde musulman subit aussi la récupération par le marché. Donc on parle de finance islamique, on parle de tenues vestimentaires sans fashion, tout en essayant de respecter le, on va dire, les canons vestimentaires musulmans, mais bon, on est dans des habits fashion complètement à la mode, en essayant de faire combiner et de faire cohabiter des incompatibles. Et effectivement, la science islamique, c'est aussi risque, à mon sens aussi, même s'il y a beaucoup de gens sincères qui travaillent dedans et qui essaient de trouver des solutions. Nous sommes toujours dans la même logique, c'est-à-dire qu'à partir d'avoir, à partir du moment où on a accepté les termes du débat et à partir du moment où on a accepté le vocabulaire de l'ennemi, on peut essayer d'islamiser ou de christianiser ou de franciser n'importe quel concept. À partir du moment où il est issu du modèle dominant, on a déjà perdu. Et la finance, par définition, c'est pas une invention catholique, musulmane ou traditionnelle. Ça reste un outil de fonctionnement moderne. Et par définition, il est déjà entaché de la tare de la modernité. Et donc, l'islamiser, c'est peut-être tout simplement se mettre une balle dans le pied. Alors, on nous demande aussi si, selon vous, il n'est pas dommage de perdre sa culture au bénéfice d'une autre. Et est-ce qu'il existe des dommages causés par l'assimilation à l'identité culturelle des descendants d'immigrés? C'est à l'assaut. Vous savez, les processus culturels sont compliqués. Il y a ce qu'on appelle, ça a été théorisé dans les années 60 aux États-Unis, notamment par Domergue, ce qu'on appelle le choc culturel. C'est effectivement quand des populations sont déracinées et transplanté dans des systèmes majoritaires, ce qui est le cas effectivement de l'immigration afro-maghrébine, on va dire, globalement, même s'il y a les Turcs, il y a les Asiatiques, etc. Mais bon, je m'intéresse principalement aux Maghrébins et aux Noirs africains, ou en tout cas à l'immigration musulmane, parce que c'est une double identité, c'est à la fois une identité d'origine plus une identité culturelle supplémentaire. Effectivement, quand on arrive dans une société différente, il y a nécessairement une violence, un choc, voilà, c'est quand même pour les Européens, les Italiens et les Polonais, les Belges, une partie même et même quelques Allemands qui ont été l'immigration, on va dire, du 19e, début du 20e siècle, ont aussi vécu, et ça c'est quelque chose de naturel, c'est-à-dire que l'altérité et la rencontre de l'autre, en tout cas dans le cadre culturel, les comportements et les mœurs, quand ils s'imposent et qu'ils sont continus, ça crée de la tension. Ça crée de l'angoisse, ça crée de l'incompréhension parce que les codes ne sont pas les mêmes. Ça crée à la fois de l'angoisse et de l'incompréhension de la part de la minorité qui vit dans l'espace majoritaire. Et l'espace majoritaire lui-même a un sentiment de refus. On le voit avec les Indiens, les Asiatiques présents dans le monde arabe, de la péninsule arabique aujourd'hui, où il y a typiquement des rejets violents, où les gens sont assigner des fonctions subalternes au niveau du travail, etc. Donc quand on est effectivement dans un espace majoritaire, il y a une vraie question à se poser sur la stratégie de survie ou la stratégie de cohabitation sociale. Donc on peut tout à fait envisager de dire
on est dans, on admet la société multiculturelle et donc chacun doit préserver son identité, etc. Or, même dans les sociétés communautaires ou communautaristes comme les Anglais, en vérité, ça ne fonctionne pas. Ça se fait toujours au détriment de la culture minoritaire. Pourquoi ? Parce que par exemple, un Pakistanais qui vit dans son quartier pakistanais en Angleterre, certes, dans le modèle anglais, il a toute la possibilité d'exprimer son potentiel, etc., en préservant sa culture, et donc à continuer à préserver ses arts culinaires, sa langue, sa tradition, son mode de fonctionnement, et ainsi de suite. Sauf que ce Pakistanais, par exemple, si on compare son vécu culturel, ou en tout cas ses formes de vie sociale, familiale, au sein de la culture pakistanaise, et qu'on la compare à l'évolution des mœurs et de la culture pakistanaise dans son terreau d'origine, on réalise qu'il y a effectivement un différentiel. C'est-à-dire qu'au Pakistan, ça évolue d'une certaine manière, et que les communautés migrées, expatriées, ou en tout cas transplantées ailleurs, évoluent aussi, pas nécessairement en interface. Bon, sauf que là-bas, effectivement, c'est un modèle communautariste qui est différent. Donc ici, effectivement, en se posant cette question, on peut se dire, quelque part, c'est une forme de violence, c'est difficile, abandonner ses cultures, etc. Mais quand je dis, moi, il faut de la cohérence. C'est-à-dire, soit on dit que ces cultures héritées sont sacrées. Moi, à une époque, il y a 10 ans, quand j'étais dans, effectivement, une ligne antiraciste, anticolonialiste, je considérais que la survie culturelle était essentielle, qu'il fallait, à la fois avec l'identité, ou en tout cas l'appartenance culturelle, il fallait sauvegarder les identités culturelles d'origine. Et donc, j'imaginais, moi, à l'époque, il y a 10 ans, comme je suis d'origine berbère, je voulais, créer des musées de la culture, de la tradition berbère, du travail de la, de comment on appelle ça, de la, des tapis, etc., de la tapisserie berbère, pour pouvoir enseigner ça aux gamins, etc. Mais finalement, c'est dérisoire. Je veux dire, ce sont des combats, qui sont voués par définition à finir à l'échec. Donc, ça veut dire que si on considère que ces cultures sont effectivement sacrées et importantes, dans ce cas-là, il faut les préserver. Mais si on les préserve, il faut être capable de mettre les moyens pour le faire. Or, si on préserve dans chaque groupe immigré ses cultures d'origine, notamment, on va avoir beaucoup de difficultés, mais surtout, on va préserver les clivages. Et aujourd'hui, ces clivages ethno-culturels au sein des communautés musulmanes de France, c'est le principal facteur de division. Aujourd'hui, le dysfonctionnement du CFCM est dû avant tout aux fractures et aux lignes de fractures ethno-culturelles entre Algériens, Marocains, Tunisiens, entre l'Afrique noire, les Comoriens, les Turcs, où chacun joue sa partition en lien avec les pays d'origine. C'est ingouvernable, ingérable, infédérable. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il reste finalement ? C'est de se dire que moi, à titre personnel, au niveau familial, ma mémoire familiale est effectivement légitime. J'ai le droit de sauvegarder ce qui me plaît de ma mémoire familiale, mon héritage familial, mon arbre généalogique et le transmettre à mes enfants. Mais dans l'espace public et dans l'espace global, dans l'espace collectif, c'est penser la transition culturelle parce que moi, je suis ce que je suis à 40 ans, à 30 ans, à 20 ans. Je suis le fruit de mon socialisation, de mon parcours, de mes tares, de mes difficultés, etc. Par contre, les enfants, ce n'est pas une violence pour eux que de les éduquer, comme je le disais tout à l'heure, et de les socialiser dans un espace culturel commun. Donc, il ne s'agit pas de... C'est vrai qu'il y a une forme de perte, c'est évident. On perd, mais c'est aussi la logique de l'immigration. C'est la logique de l'exil, c'est le prix à payer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans des communautés exilées, on est dans des communautés quelque part défaites sur le plan historique. Parce que, à la base, ces communautés issues de l'espace musulman ou de l'ex-empire musulman n'avaient pas vocation à partir. C'est parce que l'espace politique musulman, qui était le califat, s'est écroulé à la fin du 19e au début du 20e, alors qu'il fédérait la grande majorité des nations musulmanes, qu'elles soient africaines, noires africaines, de la péninsule arabique et asiatique. C'est parce que le système politique qui portait donc l'identité, le culte, enfin qui portait l'universel islamique au sein d'une fédération de nations orientales diverses qui pouvaient cohabiter entre elles parce qu'il y avait un lien spirituel qui les unissait et une autorité politique dominante. Cette autorité politique s'étant écroulée, ces peuples sont voués à eux-mêmes. Alors dans leur espace personnel, en Afrique, en Algérie, etc., ils sont reconstitués sous forme plus ou moins d'états-nations post-coloniaux suite à la domination coloniale, en essayant de préserver ce qu'ils peuvent de leur culture d'origine. Mais dans les communautés transplantées, comme les nôtres aujourd'hui, africaines, etc., à mon sens, aujourd'hui, mon bilan après 10 ans de réflexion, c'est que c'est voué, à mon sens, à l'échec de croire qu'on pourrait, de façon collective, préserver ces cultures d'origine, alors qu'en vérité, si on considère que c'est l'universel islamique qui est sacré pour nous, nos fondamentaux, c'est-à-dire le culte, la croyance et la langue liturgique, la langue arabe, je pense que si chaque communauté issue d'immigration musulmane pouvait préserver ses fondamentaux et qu'elle permettait à ses enfants de devenir des Français, finalement,
de haut niveau sur le plan culturel. On donnerait naissance à une communauté française musulmane qui est héritière effectivement de fondamentaux sur le plan théologique qui seraient non négociables. Et nous, en tant que génération intermédiaire, nous serions ce que j'appelle moi les ancêtres contemporains des futurs Français musulmans de demain, qui ne vivraient plus les clivages ethnoculturels qui sont les nôtres et qui sont d'une violence incroyable, qui nous imposent une division permanente et qui de toute façon ne sont pas opérationnels. Donc préserver ces cultures, c'est non seulement une fuite sur le plan historique, puisqu'on en arrive nécessairement à une décomposition et une altération avec le temps, mais c'est aussi un échec politique constant. Voilà. D'accord. Alors, il y a Jacques Ojac qui nous demande, qui dit que finalement, ce problème musulman en France, il dit qu'il est à peu près votre âge, qu'au départ, il n'y avait pas de problème musulman, et qu'à partir des années 90, ça correspond à la montée en puissance, selon lui, du fils en Algérie, mais aussi de l'arrivée, comme il dit, des barbus, d'une certaine forme d'un salafisme saoudien. Il demande ce que vous en pensez-vous de ça ? Est-ce que c'est... Si vous voulez, la problématique de l'islam en France, elle est intimement liée à la question de l'immigration. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'immigration massive des Trente Glorieuses, c'est-à-dire que les Trente Glorieuses étant terminées, en 73-74, quand nous avions eu la crise économique due notamment au boom pétrolier, la logique aurait voulu que nos pères, qui étaient là, qui étaient de toute façon eux-mêmes psychologiquement prêts à repartir et qui étaient venus juste chercher un pécule, si les autorités françaises de l'époque avaient considéré qu'il était normal que le boulot étant fini rentre chez eux, ça aurait été d'abord intéressant pour les pays d'Afrique et du Maghreb, puisqu'il y aurait plusieurs millions d'ouvriers formés qui seraient repartis s'installer dans leur pays avec des devises et participer au développement de leur pays d'origine. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les autorités publiques ont voulu les sédentariser, en tout cas les installer par leur groupement familial, et bizarrement, sans aucune politique d'accompagnement culturel. Par exemple, moi, mon père et ma mère, on leur a jamais imposé le français quand ils sont arrivés. C'est-à-dire que mes parents sont restés analphabètes sur le plan du français, alors que nous étions 7 garçons et que nous aurions même voulu être accompagnés sur le plan scolaire. Ça n'a pas empêché certains de mes frères, par exemple, de faire des masters d'économie bilingue à Berlin. Mais ma mère est analphabète. Donc aujourd'hui, on impose aux immigrés africains, par exemple, 600 heures de français, alors que souvent ils parlent mieux français en arrivant ici parce qu'ils sont pays francophones. Donc cette immigration, donc la présence de l'islam est liée à cette immigration massive. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'immigration massive, on aurait encore des convertis français classiques qui seraient plutôt effectivement sur une tendance soufie et de l'orientalisme de salon. Ça serait ça l'islam en France aujourd'hui. Un orientalisme de salon d'intellectuels et des convertis plutôt discrets. Donc il n'y aurait pas de question islamique en France. La question islamique est apparue avec la visibilité. C'est quoi la visibilité ? C'est effectivement d'abord sur le plan vestimentaire des populations immigrées qui continuent, vous savez qu'on reçoit plus de 200 000 immigrés par an aujourd'hui, sans compter les clandestins, et leurs enfants et petits-enfants, donc deuxième et troisième génération, qui à partir du moment où ont intégré le fait qu'ils ne retourneraient plus, selon le rêve de nos parents dans les années 80, c'est-à-dire de rentrer au bled, comme cet idéal ou cette mythologie du retour ayant disparu, ces jeunes, en crise identitaire, c'est ma génération, naturellement se retourner vers la foi de leur père, ce qu'ils avaient de plus structurant, puisque la société française n'étant pas prête de les accueillir et d'en faire des Français, au contraire, il y avait l'injonction antiraciste en leur disant « touche pas mon pote, vous êtes des potes, mon pote, même s'il brûle des voitures, il faut rien lui dire », donc le Français n'avait pas le droit d'exprimer son désarroi face à cette altérité et cette immigration violente, notamment dans les quartiers. Les immigrés eux-mêmes n'avaient pas d'accompagnement sur le plan culturel, sur le plan social, etc. Eh bien, naturellement, ces générations-là se sont mises à reconstruire leur identité en adoptant une identité qui n'était pas nécessairement française, mais surtout citoyenne, parce que c'est un peu toute l'histoire justement de Farid Abdelghoul, qui nous rappelle tout le temps avec cet élan de militantisme des années 80, qui a donné ensuite malheureusement naissance à l'antiracisme comme idéologie dominante. Eh bien, ces générations-là, finalement, se construisent une identité à travers un retour vers la foi. Et qui dit retour vers la foi et vers l'islam, bien nécessairement un retour aussi vers les pratiques diverses de l'islam, associé bien sûr à l'époque avec un certain nombre de pays qui travaillaient beaucoup à la réislamisation dans les divers pays d'Europe. Donc le Maroc a participé, l'Arabie Saoudite bien sûr ayant des moyens beaucoup plus conséquents à exporter aussi sa théologie officielle. Les communautés notamment d'Afrique noire qui sont aussi d'imprégnation soufie très forte et sont très communautarisées et très structurés en interne, en tout cas assez fidèles sur leur modèle traditionnel, sont restés effectivement sur des modèles confrériques parfois, etc. Et donc nous avons cette apparition soudaine dans l'espace français
d'une pluralité d'expression de l'islam, qui peut être militant, qui peut être traditionnel, qui peut être mystique, soufi, salafi, ce que vous voulez, tout en ayant aussi, à l'époque des années 80-90, une structuration, une organisation de grosses fédérations, notamment par les étudiants étrangers qui étaient aussi socialisés dans le militantisme islamiste, en tout cas dans l'islam politique des pays d'origine. Et tout ça donne aujourd'hui la configuration pluriforme de ces pratiques de l'islam. Et donc les jeunes aujourd'hui, vous ajoutez à ça aussi le phénomène internet et du self-islam un peu, c'est-à-dire de ces jeunes qui ont des théologiens ou des télécoranistes, comme on disait à une époque, via internet, et vous avez donc finalement une pratique de la théologie musulmane et une manifestation de l'islam public très divers. Et ça, effectivement, ça peut être très dérangeant pour des Français de souche qui n'ont pas vu arriver le phénomène parce qu'ils étaient habitués à voir ces communautés, parquées dans les grands ensembles urbains, qui étaient plutôt des manifestations à la fois urbaines, sociales, voire sur les problèmes de délinquance, avec plutôt nos pères qui étaient assez tranquilles et qui étaient l'image de l'ouvrier maghrébin classique. C'était l'image dominante jusqu'alors. Mais les médias ont joué aussi un rôle pernicieux dans ça. Et je vous rappelle effectivement qu'à cette époque, dès le début des années 80 et la mise en place du regroupement familial, et que les premiers projets, on va dire, d'apparition de mosquées, ce qui était aussi un signe de sédentarisation, parce qu'à partir du moment où nos pères et nous-mêmes restions ici, eh bien les lieux de culte, il fallait bien les aménager. Eh bien, à cette époque, vous avez par exemple, dès le début, et ça résume assez bien la situation actuelle de 30 ans après, c'est que vous avez des autorités politiques qui jouent un rôle très pernicieux. Vous avez une gauche qui est très antiraciste et qui est immigrationniste, donc vous avez le PS qui a bien sûr toujours défendu l'immigration massive, etc. Et vous avez ce même force politique et médiatique qui, tout en défendant l'immigré, voire même le sans-papier, sont en même temps en train de façon très pernicieuse, de distiller dans l'espace public une forme d'islamophobie, en tout cas de refus de l'islam, ou de présentation de l'islam comme étant dangereuse. Je vous donne l'exemple, en 1981, à l'époque, Pierre Mauroy est Premier ministre, donc c'est la gauche, qui est censée être l'ami des immigrés et qui finalement va démarrer sa ligne antiraciste pour cacher son échec social. Et vous avez donc une grève de Peugeot Talbot, donc sur la région parisienne, à Poissy. Et nous avons à l'époque des parents, donc nos pères, qui étaient jusqu'alors des ouvriers, qui étaient notamment amenés par le patronat pour aussi servir de casseurs de grève, parce qu'eux n'étaient pas syndiqués, ils ne voyaient pas l'intérêt d'adopter les combats syndicalistes français, parce que c'était pas de leur ressort, ils étaient censés retourner chez eux. Et vous avez donc à cette époque une solidarité qui se crée dans les usines de Poissy, chez Talbot, Peugeot, où vous avez donc ces vieux immigrés qui s'associent avec les syndicalistes français pour revendiquer des droits. Et donc là, on a aussi une forme finalement de francisation, quelque part, des mentalités de ces immigrés, puisqu'ils adoptent une attitude syndicale qui n'est pas quelque chose de traditionnel chez eux, dans leur espace culturel d'origine. Et là, vous avez Pierre Mauroy qui dit « Ces grèves insensées, c'est incroyable, ces grèves à Poissy, ce sont les ayatollahs de... » Parce qu'en 79, nous avions la révolution iranienne, et donc on est en 81. Et là, donc, vous avez Pierre Mauroy qui dit « Ce sont les ayatollahs qui sont derrière. » Donc, c'est-à-dire que dès le départ, vous avez des autorités politiques qui font ce mélange très dangereux, à la fois d'un immigrationnisme officiel que vous n'avez pas le droit de contester, alors que c'est cet immigrationnisme qui explique la visibilité de l'islam, parce que l'immigré est aussi le musulman. Mais en même temps, vous avez un discours qui prépare les mentalités publiques à une forme d'islamophobie médiatique et politique pour dire que le problème, c'est l'islam. Mais c'est contradictoire, puisque s'il y a de l'islam, c'est parce qu'il y a des immigrés. Donc si on ne veut pas de visibilité de l'islam, il ne fallait pas ramener ces immigrés, ou en tout cas les maintenir par le regroupement familial. Et finalement, ce double discours très pernicieux des autorités publiques, et donc médiatiques, politiques, vous le constatez que depuis 35 ans, il s'est construit de façon insidieuse, avec l'appui même de la législation, puis les différentes lois dites anti-foulard, etc. Tout ce débat politico-médiatique et juridique impose dans l'espace français un malaise très profond, effectivement, sur le plan du discours et sur le plan des rapports sociaux sur la question islamique, mais élude complètement la problématique de l'immigration. Et moi, mon défi, effectivement, c'est de sortir ce débat au sein des communautés musulmanes de France en disant, en tant que musulmans, issus de l'histoire migratoire française récente, nous sommes les plus légitimes pour ouvrir le débat et dire que pour l'avenir de la France, pour l'avenir de la stabilité sociale et économique, sur le plan économique et même sur le plan théologique, et pour la possibilité de promouvoir demain une théologie française, une théologie musulmane française en adéquation avec le contexte culturel, nous devons nous positionner sur la question de l'immigration et considérer qu'aujourd'hui elle n'est plus pertinente.
et qu'il faut pouvoir assumer l'idée de dire que l'immigration aujourd'hui, il faut pouvoir l'arrêter, la stopper, en faire un moratoire, faire un référendum sur le sujet et remigrer même un certain nombre de flux pour pouvoir stabiliser les rapports entre les communautés et penser notre sédentarisation définitive. Ah d'accord, parce que justement sur le chat, on nous parle de cette idée de remigration et on nous demande ce que vous en pensez. Oui, tout à fait. Moi je pense qu'il y a ce que dans toutes les sociétés du monde, il y a ce qu'on appelle un optimum de diversité, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de société qui considère que son homogénéité culturelle n'est pas défendable ou qu'elle n'est pas essentielle. Toutes les sociétés du monde ont besoin d'une homogénéité culturelle majoritaire, de préserver le lien avec la terre, le lien entre le territoire et la culture, de préserver des fondamentaux, et qu'effectivement, il peut exister, genre en Égypte, il existe des populations issues d'Afrique noire, des Somaliens, etc. Mais dans des quartiers populaires, quand effectivement ça atteint un optimum qui est dépassé, ça crée des tensions culturelles. Donc nous avons besoin aujourd'hui en France, effectivement, de repenser la question de l'immigration et de repenser les termes de l'immigration, c'est-à-dire de dire qu'il nous faut un optimum à atteindre et un optimum de diversité, parce que trop de diversité tue l'homogénéité, et que si on veut faire survivre le génie français, il faut pouvoir préserver finalement son réacteur nucléaire, nucléique initial, à savoir la communauté française entre guillemets de souche et qui est porteuse de cette tradition, et que pour les minorités issues de l'immigration, on peut tout à fait envisager qu'il y ait une minorité qui conserve ses traditions, ses cultures parce qu'ils sont de passage, parce qu'ils sont résidents, etc. Donc ça c'est à discuter, mais qu'elle doit rester effectivement minoritaire, parce que si elle n'est pas minoritaire voire ultra minoritaire, on arrive à des tensions très très graves. Donc la question de la remigration bien sûr se pose. La question de l'immigration clandestine est un vrai problème. La question de l'immigration tout court. Aujourd'hui, les premières victimes de l'immigration massive et du dumping social qui en découle, c'est-à-dire la concurrence sur les salaires, ce sont les populations issues de l'immigration. Si vous allez aujourd'hui en banlieue parisienne, vous voyez que les Maghrébins actuels, qui sont de la quatrième génération, qui sont donc plus anciens, on va dire, que les Noirs africains, par exemple, pour certaines communautés, aujourd'hui se comportent vis-à-vis des Noirs africains récents, primo-migrants, comme pouvaient se comporter les Français dans les années 60. À savoir que ces Maghrébins, ils sont installés, ils ont un capital culturel plus élaboré que celui des Africains, des Noirs africains récents. Et donc, il y a effectivement une différence de rang social, une différence de niveau, une différence d'assimilation culturelle, en tout cas de proximité culturelle avec la souche française. Et ça crée des tensions. Donc, nécessairement, il va falloir penser le renversement des courants migratoires. Mais cela, ça impose aussi une chose, c'est qu'on puisse se libérer, ou en tout cas questionner et remettre en cause les élites dirigeantes dans ce pays qui ont organisé la France-Afrique et le pillage de l'Afrique. Parce que s'il y a aussi de l'immigration, c'est parce qu'en Afrique, il y a un pillage généralisé des grandes multinationales et des élites dirigeantes des pays d'Europe et d'Occident en général. Et ce pillage, effectivement, de l'Afrique fait que ça génère de la pauvreté, ça génère donc nécessairement des flux migratoires, et surtout ça, avec l'amélioration des conditions sanitaires, génère... Ah, je sais pas, on a perdu. J'entends plus. Ah. Allô, allô. Allô, oui. Là, je crois que... On l'a perdu. Allô. Ah non, il est là. C'est bon, je pense qu'il est oui, là. Oui, je suis... Alors, je sais pas... Bon. Ça a coupé... Je sais pas où j'étais. Oui, on vous entendait plus juste là, à l'instant. Excusez-moi, moi je ne vous entends pas. Je sais pas si vous m'entendez. Allô. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je vous entends, oui. Allô. Alors, je sais pas où j'étais arrivé, désolé. Oui, ça a coupé justement là, okay. Juste sur ce que vous disiez avant, sur justement le problème par rapport à cette génération-là, quoi. Le problème, justement, voilà, elle a du mal à trouver ses repères, elle cherche ses repères. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. On vous entend. Oui, oui. Vous savez, la question des repères, elle est essentielle. Un individu qui ne peut pas se penser avec un territoire, avec une filiation, avec une histoire, c'est un individu qui est effectivement dans une angoisse et dans une instabilité. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Ouais. Ok, excusez-moi. Donc, si vous voulez, effectivement, ces générations-là sont dans un trouble identitaire profond, c'est une évidence, parce qu'ils ont aussi un capital culturel
qui s'appauvrit avec le temps. Leurs parents, nos parents en fait, n'ont pas pensé notre sédentarisation. Ils étaient toujours dans le mythe du retour. Donc ils nous ont transmis effectivement un système de valeurs hérité de leur tradition, mais qui est fonctionnel dans une société traditionnelle. Moi j'ai toujours l'exemple qui me vient à l'esprit. Bon, il est assez marrant, je le dis souvent. Je me souviens quand j'étais petit, j'étais à la fenêtre en train de parler avec un copain, et j'avais retiré le rideau de la fenêtre de la maison quand on avait déménagé dans une maison plus grande en ville. Et donc après je suis parti, j'ai laissé le rideau bouger. Et quand mon père est rentré, il a dit qu'est-ce qui a bougé le rideau de la fenêtre. Moi je lui ai dit que c'était moi. Et j'ai reçu une baffe comme j'en ai jamais reçu dans ma vie. J'ai vu des étoiles. J'ai pas compris pourquoi. Et mon père était très 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 en colère et il m'a disputé. Je comprenais pas pourquoi. Plus tard, avant, en grandissant et en discutant avec le vieux berbère de la ville, ils m'ont expliqué effectivement dans les villages traditionnels, donc dans la zone berbère en Algérie, le fait dans une maison quand il y a une fenêtre avec un rideau qui est décalé, ça sous-entend que donc c'est un signe traditionnel dans les codes culturels qui signifie qu'on est face à une maison d'une femme de mauvaises mœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, ce sont des codes culturels hérités, mais ils ne sont pas fonctionnels dans la société dominante dans laquelle on peut se trouver. Et donc ça crée de l'angoisse et de la culture, ça crée de l'angoisse et de l'appréhension face à une culture héritée dont tous les codes ne sont pas opérationnels. Donc c'est pour ça que nos générations, effectivement, aujourd'hui, sont très en questionnement profond sur ces questions-là, parce qu'ils ont acquis un capital culturel qui ne sera pas entièrement opérationnel, donc qui va s'appauvrir par définition, et en même temps, ça pose la question de communiquer avec l'autre, avec autrui. Parce que dans une société, on pense à un avenir commun, on pense à construire une mythologie commune pour le futur. Et c'est très difficile quand on n'a pas les codes. D'où la nécessité de se penser. Vous entendez, non? Oui, vous entendez. D'où la nécessité de se penser, en tout cas pour les plus anciens, les plus grands comme moi, comme vous peut-être, donc d'un certain âge, se penser de façon transitoire ici en essayant de s'intéresser comme on peut à la culture française, de comprendre ce que c'est que l'identité française, les codes sociaux, etc., pour pouvoir interagir avec les adultes, mais ne pas faire subir cette violence ou en tout cas ces contradictions profondes qui nous habitent, parfois même des presque névroses, je dirais, ne pas transmettre ça aux enfants, parce qu'un enfant qui grandit dans un territoire, il s'attache à ce territoire, même si c'est du béton. On voit très bien dans les banlieues aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a que du béton. Pourtant, les jeunes sont très très attachés à l'identité urbaine de leur quartier, jusqu'à parfois être en rivalité, à se battre avec les autres, parce que l'être humain, c'est aussi un territoire. Un territoire, il y a une dimension d'attachement au territoire, un espace géographique de défense, etc. Et donc le territoire, c'est important. C'est évident qu'en banlieue, c'est plus difficile qu'à la campagne. Personnellement, moi, j'ai choisi de faire grandir mes enfants à la campagne parce que le sensoriel, le bruit de la forêt, les odeurs, etc., c'est très important pour pouvoir attacher l'enfant. Mais les premiers souvenirs de l'enfance, le lien avec le territoire se construit dès le jeune âge. Et je pense que nos enfants, effectivement, si on choisit de les faire grandir dans des espaces culturels, préservés, ancrés dans la tradition française, ce n'est pas une violence qu'on leur fait subir, mais au contraire, on les dote du meilleur capital qu'ils soient pour que demain, ils puissent se mouvoir dans cette société et pouvoir même assumer leur identité française pour qu'on ne puisse pas demain, quand ils seront adultes, dans une entreprise, dans un cadre social quelconque, leur nier leur appartenance nationale. C'est ça le plus important. Comme aujourd'hui, un Chinois musulman, même dans le régime le plus anti-religieux qu'il soit, par exemple, sous les communistes ou Mao, par exemple, un Chinois musulman ou même un russe musulman, on ne pouvait pas lui nier son identité culturelle. On ne pouvait pas dire à un Chinois qu'il n'est pas parce qu'il est musulman. On pourra éventuellement le réprimer, on pourra lui refuser son culte. Mais on ne pourra pas considérer que, d'un point de vue culturel et social, il n'appartient pas à la société ou au peuple auquel il est. Nous avons un vrai défi en France parce que nous avons à la fois un défi majeur parce qu'on est un peu un cas particulier en France, en Europe, mais aussi la France est une construction historique culturelle, c'est-à-dire qu'elle admet l'idée qu'une partie de sa population puisse être récente et être intégrée, assimilée au corps national. Et ça, c'est la machine française, c'est le génie français. Est-ce qu'il est encore opérationnel? C'est un autre débat. Mais je pense que nous avons cette chance aujourd'hui en France, et les jeunes issus de l'immigration, quelle qu'elle soit, maghrébine, africaine, etc., ont aujourd'hui, et les JRE, je reviens toujours dessus parce que c'est le combat du moment, sont l'occasion de tendre ces ponts et de penser des projets éducatifs
des projets culturels, des projets sociaux, en partenariat avec un certain nombre de Français issus de diverses origines, où on va dire l'identité française, le capital culturel français, la langue française, le logiciel français dans sa globalité, soit l'occasion d'être transmis à ses enfants pour les doter du meilleur de ce que la France a pu donner, tout en leur transmettant les fondamentaux de leur universel islamique qui en fera demain des Français, mais musulmans, de confession musulmane. D'accord. Alors, il y a pas mal de questions aussi, alors parce que les auditeurs ont plein de questions à poser, alors ils sont tous fâchés, ils disent « oui, on a plein de questions à poser ». Non, je reviendrai vous voir. Voilà, donc il reviendra, parce qu'ils sont tous très très impatients, ils disent « oui, il n'y a pas d'interactivité, on veut poser des questions ». Ils demandent, alors il y a une question qui revient souvent, on dit « on vous voit pas souvent dans les grands médias, hein, un peu comme Kamel Béchik, hein, les Fils de France, est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi politique de nous montrer un certain type de représentants de cette communauté musulmane, comme par exemple Hassan Chalgoumi, qui lui occupe l'espace médiatique, hein. Eh ben, si vous voulez, Hassan Chalgoumi, c'est exactement la preuve de la démonstration que j'essaye d'élaborer depuis tout à l'heure, à savoir que des communautés divisées, déstructurées, enfermées dans des cultures en dépréciation, sont incapables de générer des élites légitimes. Quand on est une communauté où on a un système dominant capable de choisir un alphabet bilingue comme Chalgoumi et d'en faire finalement le leader, même si on sait qu'il ne représente rien, mais en tout cas sur le plan médiatique, on en fait le leader de la communauté musulmane et qu'on est incapable d'empêcher cela. Qu'ils essayent par exemple de faire la même chose avec les Chinois, c'est-à-dire de chalgoumiser un Chinois et d'en faire un leader des Chinois de France. Ils n'y arriveront pas parce que les Chinois sont capables de générer des élites légitimes et de protéger leurs intérêts communautaires. Nous, on va dire globalement les communautés musulmanes issues de l'immigration, sommes incapables effectivement d'assurer, d'avoir des représentants légitimes et donc a fortiori d'avoir accès aux médias. Et donc finalement, la solution, c'est en devenant finalement des Français de confession musulmane, sur le plan culturel, on va dire, capables de se mouvoir dans l'entité française globale sans heurts et sans choc, on serait capable effectivement à terme d'avoir naturellement, comme pour les protestants, comme pour les bouddhistes, comme même je dirais pour les végétariens, même d'ailleurs pour les gays aujourd'hui, j'aime pas trop le système de lobby, mais en tout cas d'avoir émergé en son sein une élite intellectuelle et politique qui, quand on entend, Christine Boutin par exemple, on voit un des représentants, on va dire sur le plan politique en tout cas, d'une frange chrétienne de la population française qui a priori une certaine légitimité, et on peut multiplier les exemples. Notre problématique aujourd'hui, c'est que rester dans la division culturelle et dans les identitarismes collectifs, les Marocains, les Algériens, les Sénégalais, les Comoriens, etc., c'est renforcer la possibilité de contrôler et de dominer ces minorités culturelles, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'en ce qui concerne les communautés musulmanes de France, c'est qu'elles ont encore un lien très profond avec les pays d'origine, donc la soumission aux autorités d'origine. Et donc aujourd'hui, Chalgoumi explique totalement l'incapacité totale et le caractère infédérable de ces communautés musulmanes, du fait même que leur identité collective est leur première faiblesse et leur premier talon d'Achille. Ouais, d'accord. On nous demande comment on peut faire en sorte pour casser les instrumentalisations ciblant les musulmans. C'est Cyrine 38. On ne peut pas les casser, les instrumentalisations, parce qu'elles ne sont qu'une conséquence. C'est-à-dire que s'il y a instrumentalisation, c'est parce que il y a tout simplement, comme quand il y a colonisation, il y a colonisabilité. Donc s'il y a instrumentalisation, c'est que les conditions sont réunies et permettent à des élites dirigeantes d'instrumentaliser facilement. Donc la solution, c'est pour ça que l'idée d'une francisation des enfants, ou en tout cas d'un véritable projet de socialisation contrôlée des enfants et d'une assimilation culturelle qui est choisie volontaire, c'est finalement faire des musulmans des Français comme les autres. Et à partir du moment où on les dilue sur le plan culturel pour les faire appartenir au peuple de France et en faire tout simplement des Français comme les autres, les enjeux de domination et de contrôle n'existent plus. Puisqu'il y a enjeu quand il y a effectivement communauté organisée, quand il y a identité collective, quand il y a pays d'origine, quand il y a des enjeux qui nous dépassent et qui sont quasiment internationaux aujourd'hui. Et si effectivement les musulmans deviennent des Français comme les autres,
ils seront capables de générer leurs propres élites légitimes. Et voilà, aujourd'hui, si on veut, je prends des identités collectives un peu moins importantes. Si je prends, je sais pas, moi, par exemple, les motards ou les végétariens, ou voilà, il y a des Français qui se retrouvent sur des hobbies, des loisirs. Ce ne sont pas des systèmes d'identité qui sont complexes, parce que là, on parle quand même, quand on parle des musulmans, ou je sais pas, ou des juifs, ou des bouddhistes, on parle quand même de communautés avec toute la complexité que ça représente, avec des classes sociales différentes, etc. Et on prend comme simple dénominateur commun à la fois. Mais d'autres communautés, si on prend de simples critères alimentaires, par exemple, sont capables de générer leurs propres élites intellectuelles et de représentation, parce que c'est des systèmes c'est des systèmes pour générer des élites qui sont des systèmes classiques, voilà, où bien sûr celui qui a travaillé sur un sujet en devient spécialiste, etc. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne effectivement les musulmans de France, l'instrumentalisation, qu'elle soit des élites dirigeantes politiques ici en France, de certains lobbies en France, voire même des puissances étrangères, puisqu'aujourd'hui vous avez des communautés qui sont complètement liées avec les appareils d'État étrangers, ça existera tant que les communautés elles-mêmes existeront. Alors, il y a eu une déchristianisation en France en plus. Et justement. Comment je n'entends pas. Je disais, en France, il y a eu une déchristianisation. Et aujourd'hui, oui. On voit que la religion catholique est attaquée au même titre que la religion musulmane. Est-ce que la République en son sein, comme l'a déclaré Vincent Peillon, qui prétend que la laïcité est une religion, et bien la République donc porte dans ce logiciel cette attaque contre les religions finalement? Alors oui, effectivement, là c'est tout le travail d'un mot qu'on n'aime pas beaucoup, mais finalement qui est normal, c'est-à-dire la question du révisionnisme de l'histoire officielle, des mythologies officielles. Effectivement, on a un certain nombre d'historiens, notamment Marion Sigaud par exemple, puisque vous me parlez de la République, qui a travaillé sur ces questions-là. Et c'est toute la problématique du cadre politique qui nous est imposé. Nous sommes dans un cadre républicain, donc on accepte parce qu'on y est soumis, mais on peut aussi le critiquer, on a le droit de le critiquer. Et quand on relit l'histoire autrement que dans la mythologie officielle, on réalise qu'effectivement la République s'est construite contre la société traditionnelle, contre l'autorité effectivement du roi, l'autorité de l'Église, et que depuis les Lumières, le système de défense de la monarchie la monarchie absolue et de l'organisation, donc l'Ancien Régime, est arrivé à un tel niveau de faiblesse qu'effectivement les attaques sur le plan, on va dire, du dogme par rapport à l'Église, sur le plan du pouvoir politique à travers les questions constitutionnelles, les questions de démocratie, etc., ont fait qu'on est arrivé à un système qui s'est écroulé, qui a été remplacé par ce qu'on appelait effectivement la République, qui n'est pas achevé dans sa révolution, comme le dit Peillon lui-même. D'ailleurs, dès le début, il y a eu plusieurs soubresauts, des restaurations, des deux empires. Et donc, nous avons un système effectivement dit républicain laïque, qui a consisté véritablement à la fois à saper l'autorité effectivement monarchique ancienne dans un premier temps, en instaurant un système politique et la République, puis en retirant décennie après décennie des prérogatives de l'Église sur le plan scolaire, sur le plan de la conscience donc du peuple, sur le plan de la morale et de la référence ultime en termes de morale et d'éthique au-dessus des principes juridiques. Et au fur et à mesure, effectivement, jusqu'à mai 68, jusqu'à aujourd'hui, on constate que la République a fait, à travers ses élites politiques, journalistiques et autres, a fait un véritable travail de sape de l'Église. Et en tant que musulmans, nous devrions plutôt être effectivement solidaires de l'Église française, et en tout cas des personnalités catholiques qui essaient de restaurer un retour à la foi chrétienne, parce qu'en tant que musulmans, nous sentons proche d'eux. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Nous vénérons effectivement Marie, mère de Jésus. Nous considérons Jésus comme un des cinq grands prophètes envoyés donc par Dieu, en tout cas qui est une personnalité extrêmement importante dans la tradition musulmane, au point où on considère qu'à la fin des temps, il reviendra pour faire régner la justice et la paix et mettre fin à ce désordre incroyable que nous sommes en train de vivre en ces temps. Et donc, la République, effectivement, a un problème avec les questions religieuses. La laïcité était censée apporter, en tout cas la laïcité originelle, était censée apporter un équilibre et permettre, dans le cadre républicain, des espaces d'expression aux différentes religions. Il semblerait qu'en vérité,
on assiste depuis 1905 jusqu'à aujourd'hui à la mise en place de toutes les formes de subversion possibles et toutes les forces de subversion possible quant à la question de la religion. Et aujourd'hui, l'Église, en tout cas les religions, sont loin d'être un danger pour la République, bien au contraire. Pourtant, on considère que il est naturel de blasphémer par exemple les grands personnages de la religion sous prétexte de liberté d'expression, sans tenir compte effectivement des sentiments et du fait de la blessure profonde que peuvent ressentir les catholiques ou les musulmans ou l'autre sur les attaques que peuvent subir les grandes figures des religions. Et aujourd'hui, quand on écoute Peillon, on a effectivement de quoi s'inquiéter, parce que nous avons véritablement affaire à un croisé de la laïcité qui considère, comme il le dit lui-même, et il l'écrit, il ne le cache pas, que la révolution n'est pas terminée, et qu'après avoir vaincu sur le plan politique et réussi à installer un ordre républicain politique sur le plan politique et démocratique, ils considèrent que ça ne suffit pas, ils en veulent toujours plus, et après donc ils viennent faire des leçons de tolérance en dénonçant l'intégrisme des autres, alors que ce sont des intégristes intolérants, mais d'un niveau incroyable, puisqu'ils vont jusqu'à dire qu'aujourd'hui il faut arracher les enfants et les gens à la conscience ou en tout cas au déterminisme familial, et donc de faire des enfants qui viennent à l'école les porteurs d'une nouvelle religion, qui serait une religion qu'il faudrait fabriquer, qui a besoin de sa liturgie, qui a besoin de ses prophètes, et qui a besoin de s'habiller. De toute façon, la République ne fait que ça depuis le début. Elle ne fait que récupérer finalement les fondamentaux de la religion chrétienne, qu'elle laïcise à chaque fois. Et aujourd'hui, quand il dit que le combat n'est pas terminé, il reconnaît par là que la République finalement a été véritablement une offensive laïciste contre les traditions et la religion, pour la dénaturer intégralement, lui retirer toute capacité d'influence dans la société, quitte à le faire par la violence. C'est-à-dire que c'est même pas jouer à égalité et dire sur le plan de la conscience et de la morale, pourquoi pas, les philosophes peuvent apporter leur pierre et les hommes de l'Église aussi. Et finalement, le peuple choisira à qui il porte sa conscience et à qui il a envie de se confesser, ou en tout cas, où il va chercher ses repères et son système normatif sur le plan de la morale. Non, il s'agit ici d'une offensive véritable, en permettant donc à la fois de retirer toute possibilité d'influence de l'Église sur la société française, et au-delà de ça, de la dénigrer en sous prétexte de la liberté d'expression, et jusqu'à dire vos enfants, enfin les enfants n'appartiennent pas aux parents, sous-entendu que, c'est ce qu'il dit lui-même, les arracher de terminus familial, c'est-à-dire les mettre à l'école pour leur enseigner autre chose, quitte à ce qu'on leur enseigne qu'ils ne sont même pas des garçons et des filles, qu'ils apprendront à choisir plus tard. Donc, voilà, et moi j'ai toujours essayé d'échapper à la République sur ce plan-là, et j'invite effectivement à avoir des vraies réflexions sur ce sujet, comment nos enfants pourraient échapper aux influences volontaristes très négatives de ces républicains prétendus humanistes qui en vérité veulent nous déshumaniser. Alors il y a Yasmine qui nous demande si toi tu es favorable à la création d'écoles privées musulmanes. Je suis favorable à la création de structures d'éducation, de socialisation culturelle qui soient œcuméniques. C'est-à-dire qu'une école, qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu de transmission du savoir. Or, nous savons aujourd'hui que l'école ne joue plus ce rôle-là. Donc moi, personnellement, mon rêve aurait été que les forces vives de la nation française, à savoir effectivement les communautés, les Français récents que pourraient représenter les musulmans, mais aussi les Français plus anciens qui sont porteurs d'une mémoire et d'un héritage classique français, notamment chez les cathotradis, mais pas seulement. Il y a des amoureux des belles lettres qui ne sont pas nécessairement catholiques, mais qui considèrent que l'enseignement du français, de la littérature française, de la poésie, d'un savoir-être français, etc., qui ne sont pas nécessairement des religieux. Je pense qu'avec toutes ces forces vives de la nation française, nous pourrions envisager demain de créer des structures communes, œcuméniques, où... Il y a eu un coupage là, je vois que il n'y a personne dans la salle des machines. Il y a un coupage là à l'antenne en direct. On attend que quelqu'un se repositionne en salle des machines. Et puis voilà, vous pouvez le dire sur le chat, parce que apparemment on lit le chat. Hein, mais il n'y a plus rien. Voilà. Alors,
Voilà, donc il y Il y a a eu eu un un coupage, coupage, bah, bah, effectivement, effectivement, bon, bon, c'était un c'était peu un peu normal, normal, il il restait restait une une heure heure et et demie, demie, quasiment quasiment en en ligne, ligne, ça ça a a coupé. coupé. Je sais Je pas sais si on pas si on m'entend, m'entend, je ne je ne sais sais pas pas, si si, j'imagine. j'imagine que vous m'entendez. Voilà, Topa est stressé ce soir. Non, pas du tout, non, je suis pas stressé. Non, vous avez pas mal frôlé le chat parce que vous me reprochez de pas lire les questions, mais il y a très peu de questions hein, finalement. Il y a plus du trollage qu'autre chose. Donc voilà, j'ai lu les questions qui méritaient d'être lues. Alors entre ceux qui répètent 100 fois la même question, à la fin on n'a même plus envie de la poser. Et puis voilà, les questions aussi un peu intéressantes, puisque là vous êtes plus acharnés entre vous. Alors j'ai eu quelqu'un qui a dit, oui, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'interactivité. Ah, c'est quand même abusé. Hein, s'il y a des assassins, c'est ben, oui, mais s'il y a des pistolets. Ah oui, il faut retirer les pistolets, il n'y aura plus d'assassins. Non, non, on ne va pas retirer. C'est comme a dit Stéphane à un moment donné, c'est aussi à vous de vous modérer, de vous auto-modérer, mettre des questions intéressantes. Je suis désolé, si là il y avait très peu de questions intéressantes, c'est normal que je peux pas inventer les questions des gens si les questions ne sont pas au point, quoi. Je suis désolé. Donc il y avait des questions, voilà, j'ai essayé de poser des questions qui sortaient un peu du lot, mais il y avait. Il y avait plein de questions qui n'étaient pas intéressantes et plein de. Voilà, bon, on s'en fout un peu de ce qu'ils pensent, oui, de un tel, de Tariq Ramadan, du Front National. Bon, mais ça, c'est des. Hein, c'est presque du niveau voici, c'est pas essentiel dans le débat. D'ailleurs, il reviendra puisqu'on va le réinviter, et puis à ce moment-là, on aura tout le loisir de rentrer en cœur. Voilà, dans toutes les questions qui vous intéressent. Hein, qu'est-ce qu'on dit? Pas de stress, on a la fleur de peau ce soir. Oui, voilà, peut-être, il y a des trolls du Mossad, certainement, parce qu'il y a le fameux pseudo hein, qui pose toujours des questions très très bien renseignées et toujours très polémiques sur les prétendus liens entre un tel et un tel. Et ça, c'est pareil, c'est le genre de questions qu'on va pas lui poser alors qu'il est au téléphone. D'ailleurs, il ne va pas comprendre, je vois pas le rapport entre Cahuzac, l'homme qui a ouvert les trucs, et le fondateur de R. Et quand bien même le fondateur de R, ce serait ce même homme, est-ce que lui doit aller visionner toutes les origines et les fondations de toutes les organisations pour lesquelles il va donner des interviews? Dans ce cas, il irait nulle part, autant vous dire. Et puis il ira encore moins dans les grands médias s'il demande la vite, parce que là, savoir qui en a à l'origine, ça c'est encore plus. Encore plus impressionnant quand vous allez creuser. Alors, est-ce que manger du couscous au porc fait de nous un musulman patriote? Heisenberg, ça, voilà, bah voilà le genre de question trollage hein, que on pourrait pas lui poser quoi. Hein, voilà, le couscous au lardon. Alors, t'as pas vu que le chat reste un peu calme la journée, autant préparer les questions à l'avance, juste une proposition. Oui, bah autant préparer. Bah, si vous il y a une avalanche de questions intéressantes, ça va, mais quand il y a une avalanche de trolls, d'insultes quasiment, ou bon, vous écharpez entre vous parce que vous n'êtes pas d'accord, mais ça occupe tout l'espace, puis il y a une question, puis il y a 10 trolls, puis une question, puis 10 trollages, évidemment, c'est impossible de voir quoi que ce soit, d'essayer de faire quelque chose. Alors, bon. J'avais plein de questions, Albert Ali a répondu à toutes mes questions sans même que j'intervienne, c'était parfait, j'ai écouté religieusement, merci MetaTV. C'est Méo222 qui dit ça, parce que c'est vrai qu'il a posé plein de questions, on me dit oui, machin. Alors par exemple, sur le CFCM, mais il en a parlé, sur je sais plus sur quoi aussi, pareil, bah, il en a parlé, voilà, Chalgoumi, j'ai posé, il a parlé, il a abordé un peu l'ensemble des questions. Donc voilà, peut relancer la vision du Ozon sur la remigration. Eh ben, on relancera ça après la pause. Hein. On va faire une pause. De toute façon, on est arrivé à la moitié du temps. Donc on va faire une pause et puis on reviendra après. Alors je pense que là, on l'a perdu sur l'autoroute, Albert Ali. En tout cas, on le remercie. Et on le réinvitera en physique et puis vous aurez tout le loisir de lui poser des questions, mais. S'il vous plaît, des questions intéressantes, pas des trollages de conspi de base, hein, si j'ose dire, du conspirationnisme de quel niveau, hein, élevons l'esprit, élevons un peu le débat, hein, un peu plus haut. En tout cas, et ben voilà, on va pas besoin de tout justifier, mais je me justifie pas, mon cher STV4, j'explique. J'explique, tu vois, j'explique parce que il y a eu des. J'ai vu plusieurs fois qu'on me dit, ah bah oui, etc. T'as pas posé les questions. Donc j'explique, non, bah déjà, faudrait qu'il y ait des questions et après je vais les poser. Et bah écoutez, on va se rejoindre après, on va faire une pause. Et puis on revient juste après la petite pause. Et puis vous posez vos questions. On refait le débat entre nous avec des vraies questions, s'il vous plaît. À vous la régie.
De retour donc sur la libre antenne après cet intermède musical, intermède voilà avec Dieudonné à l'époque, petit souvenir. Alors, je reprends le fil de la discussion, il y a eu pas mal de réactions. Vous me dites oui, l'interview, bon, il y a eu un empêchement en même temps, on peut pas. Voilà, il a un emploi du temps aussi chargé en ce moment, Albert Ali, il fait des allers-retours. Là, il n'était pas sur Paris, il devait revenir plus tôt, et effectivement, ça s'est goupillé de façon à ce qu'effectivement, il ait eu du retard et il n'a pas pu assister à l'émission. Donc, on a dû faire cette interview téléphonique. Maintenant, vous pouvez vous eh ben, appeler, voilà, le standard est ouvert pour parler du même sujet, c'est-à-dire. Islam et nation, le patriote musulman, voilà, vous êtes plein de musulmans ou même pas musulmans, mais vous avez une idée sur la question, eh ben vous pouvez appeler, on attend avec plaisir vos appels. Vous connaissez le numéro, ça s'affiche en bas, et voilà, pour ceux qui veulent passer à l'antenne et nous dire ce qu'ils pensent un peu, parce que voilà, je reviens un peu sur ce qui a été dit aussi. Alors voilà, il y a les fameuses questions voilà, de Claude Ratigné, hein, les fameuses questions, à chaque fois il nous sort des questions dignes d'un agent, il parle d'infiltration, mais alors les questions, moi ce que je demande sont les sources, mon cher Claude Ratigné, les sources, hein, balancez-nous des liens, des sources, des choses qui corroborent, hein, on a besoin d'éléments un peu probants quand même, on ne peut pas balancer comme ça des accusations ou des affirmations en l'air. Hein, déjà, on joue nous-mêmes, on marche sur des œufs dans la simple, comment dire, dans le simple relais d'articles, hein, puisque des fois, voilà, il faut quand même faire des vérifications, il faut aller voir, parce qu'il y a il y a pas mal d'intox, hein, vous savez, sur Internet. Maintenant, c'est une nouvelle mode d'intoxiquer évidemment le flux d'informations et de faire tourner une fausse information. Donc, voilà, il y a un travail en plus qui est assez pénible hein, de vérification constante hein, de l'information. Alors si en plus maintenant, dès qu'il y a un invité, on lui balance comme ça hein, des affirmations sur des choses sans avoir au préalable effectué au moins une vérification ou au même donné une source claire, une source probante, voilà, qui corrobore un peu les propos, parce qu'on ne peut pas balancer comme ça des affirmations en l'air. Alors on nous demande justement si on va inviter Emmanuel Ratier, bah, c'est prévu, effectivement on l'invitera et il nous en parlera parce que lui c'est le spécialiste effectivement des infiltrations et des réseaux qu'il connaît très très bien. Alors on ne nie pas que tous les réseaux existent, on ne nie pas qu'il puisse y avoir de l'infiltration, c'est un grand classique, mais avant de balancer des accusations, il faut avoir un certain nombre de preuves, on ne peut pas balancer comme ça. C'est un peu logique. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Parce que oui, selon l'atelier, il pose des questions à l'invité, mais l'invité n'est plus là, mon cher Solo l'Athénien. Ah bah c'était tout à l'heure avant la pause, mais. Il y aura, Albert Ali ne pourra pas revenir, donc on est. Enfin, il reviendra dans l'émission, mais pas ce soir. Alors, j'ai vu que le débat s'engage entre vous avec ces affirmations, voilà, justement sur le fait de l'appartenance ou pas de Soral avec le FN, etc. Bon. C'est énorme. Alors qu'est-ce qui nous dit Quenelle 30? Vaut mieux parler de l'Ukraine, c'est chaud. Poutine ne reconnaît pas les larbins que l'OTAN a placés au pouvoir. Pourquoi la Russie a laissé faire? Preuve que Poutine joue aussi pour l'Empire. Hilar a raison. Mais est-ce qu'il a eu le choix? Est-ce que tout ça n'était pas aussi bien goupillé? Est-ce qu'il a laissé faire? Ah, l'histoire nous le dira, oui, c'est vrai qu'on... Pierre Hilar, lui, doute de la sincérité de Poutine et de certaines autorités, en tout cas, l'Iran, en tout cas de Rouhani, a tourné le dos, on va dire, à une certaine forme de résistance politique. En tout cas, l'Iran a renoncé à son destin de devenir une puissance politique. La Russie, pourquoi a-t-elle laissé faire? C'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi il n'y a pas eu plus de... on va dire, d'entrain hein, de la part de Vladimir Poutine. C'est vrai, en comparaison de l'affaire de Syrie, où
il a joué de tout son poids, si j'ose dire, sur la scène internationale, hein, sur l'affaire de Géorgie aussi, on s'en rappelle. Il a à chaque fois été, on va dire, l'homme du match. Et sur l'Ukraine, on l'a senti effectivement laisser un peu partir un peu les choses, et voilà, jusqu'à arriver à cette situation, effectivement, le changement de gouvernement, et puis cette Timoshenko qui risque de revenir au pouvoir. On sait que c'est une agent américain, hein, voilà, elle avait déjà été au pouvoir, comme quoi on ne s'en refait pas. Mais pourquoi pas, oui, moi je veux bien aussi parler de l'Ukraine, mais c'est pour rester un peu dans le thème. Voilà, par exemple, il y a Yasmine qui me dit « Topa, le problème, c'est que je me sens française avant d'être musulmane. Est-ce un souci, justement? C'est quand même le grand problème de ma vie. Dois-je privilégier mes origines ou le pays dans lequel je suis né et je vis ?» Voilà, c'est le problème du déracisement, le problème des repères. Et voilà, comme Yasmine, tu me dis « Je me sens française avant d'être musulmane. » Je pense qu'après, c'est à chacun de faire, de mettre justement le sens communautaire là où il doit être. Moi, ma pensée, c'est que la communauté nationale, effectivement, se place au-dessus, dans la mesure où dans la communauté nationale, il y a de tout, y compris donc des musulmans, des catholiques, des chrétiens, tout ce que vous voulez, des athées, etc. C'est la seule communauté où tout le monde peut se fondre. Après, les autres communautés ont toutes une spécificité, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on a dit ? Alors, Monsieur Albert Ali parle d'œcuménisme pour l'islam, pour une union de forces, c'est-à-dire une tendance idéale à vouloir l'union entre toutes les personnes professant des idéologies différentes. N'est-ce pas faire le jeu d'un gouvernement mondial et de sa religion ? Moi, je pense qu'il en appelle plus à des points de convergence vers, de toute façon, ce qu'il appelle l'universalisme musulman. On peut aussi le transposer sur un universalisme chrétien. Et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas parler justement d'un universalisme religieux, puisqu'on retrouve le fondement de cet universalisme dans toutes les religions révélées, si j'ose dire. Donc, et en particulier, on va dire, la soumission à certaines valeurs, à certains principes, auxquels on ne déroge pas. Et dans cet universel-là, on voit bien que les chrétiens comme les musulmans peuvent s'entendre. Ils peuvent s'entendre parce que sur les grands principes et les grandes valeurs, ils pensent les mêmes choses. Ils sont très, très, très en phase. Beaucoup plus, en fait, qu'on voudrait nous faire croire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on les taxe, que quand vous êtes catholique, vous êtes taxé d'intégrisme, quand vous êtes musulman, vous êtes un extrémiste. Et lorsque des musulmans et des catholiques défilent ensemble pour une cause, on parle d'union des extrémismes, d'union des intégrismes. On ne peut pas y voir justement la convergence, et plutôt la tolérance, et plutôt l'acceptation de l'un et l'autre. Vous voyez, c'est quand même assez incroyable. Dans ce monde inversé, lorsqu'il y a des bugs de la matrice, puisque ça c'est un bug de la matrice, hein, le fait qu'un musulman défile avec un catholique à ses côtés pour défendre une cause commune, c'est un bug. À la base, c'est pas fait. La matrice, dans la matrice, il y a les musulmans, les chrétiens, puis vous savez, c'est choc des civilisations. Ça, c'est le jeu de la matrice. Donc dans le jeu de la matrice, là, il y a un bug de logiciel, forcément, qui vient de là. Alors on essaye de jeter, vous savez, tout un tas de fumier là-dessus, en disant tout ça, de toute façon, c'est des horribles extrémistes qui se mettent tous ensemble. Voilà, mais pour qui s'intéresse et va creuser, vous allez voir la tête des extrémistes d'un côté et de l'autre, vous allez voir, c'est Albert Ali, ou voilà, Escada, les têtes des extrémistes. Il faut quand même un peu remettre les choses en place. Alors, je crois, alors c'est Faye qui nous dit, je crois qu'être français soit une question de race ou de religion, mais d'esprit. Voilà, il ne soit pas en fait, hein, il manque le, oui, voilà. Oui, c'est français, de toute façon, vu que la France est une construction politique. Oui, français, c'est un esprit, c'est une culture. Moi non plus, je n'assimile pas une race, même si je sais qu'il existe une souche. C'est vrai, il a parlé d'une souche. Il y a une souche française, c'est-à-dire, il y a une base. Mais cette base, ben, c'est comme, vous savez, finalement, peut-être la nation, c'est comme un jardin. Donc, il y a tout un tas de plantes aussi qui viennent se greffer, ce machin. On a besoin de tout.
c'est une symbiose, vous voyez, c'est un univers en soi qui s'auto-alimente, s'auto-régule et avec une diversité. Mais il y a bien une souche commune. Et puis tout vient se greffer, voilà, se fondre dans cette souche commune. Et la France, elle a cette capacité, puisque même la France, dans son origine, on va reprendre un point, par exemple, sur un point précis, justement, de l'histoire de France, qui est la colonisation. Dans la colonisation française, elle avait une spécificité que aucune autre colonisation ne se préoccupait, c'était d'assimiler les Africains à la nation française. D'où d'ailleurs, là aujourd'hui, hein, ne nous l'aurons pas, pour d'ailleurs, vous les Africains qui nous regardez, je sais que vous êtes nombreux aussi, l'implantation de la langue française puissamment ancrée dans tous les pays d'Afrique francophone. Pourquoi il y a eu cette implantation comme ça du français de cette façon? Parce que le projet français, dans le projet colonial, consistait à se dire aujourd'hui ils ne sont pas français, mais on va en faire des français. Donc il y a eu tout un. C'est ce qui n'était absolument pas une préoccupation, par exemple, du côté britannique. Vous savez que chez les Britanniques, on a plutôt respecté même les sociétés traditionnelles en place en s'appuyant sur les chefferies locales, sur les rois locaux, hein, partout où il y avait encore quelques pouvoirs établis, on s'est appuyé sur ces pouvoirs-là pour mener une colonisation qui, de toute façon, se résumait à l'exploitation, au commerce, etc. Mais à aucun moment, les Britanniques n'ont voulu que les Kenyans entrèrent, pardon, dans le grand empire britannique en tant que britannique, certainement pas en tant que sujet britannique, sujet de seconde classe, de troisième classe, même si j'ose dire, d'accord, mais certainement pas en tant que. Il n'allait pas être anoblir un roi de Tanzanie ou un prince du Swaziland, hein, jamais, jamais de la vie. Donc ça, il ne s'agissait pas de ça du tout chez les Britanniques. En revanche, côté français, et ça c'est le principe républicain, puis aussi les racines profondes de la France, puis vous savez, les racines aussi chrétiennes malgré tout, hein, je sais qu'on veut les effacer, on veut nous faire dire, ah non, la France ne réagit jamais, hein, avec son histoire chrétienne, ça y est, c'est terminé depuis 200 ans, on nous dit la chrétienté, elle a disparu depuis la Révolution française, c'est terminé tout ça. Et c'est faux. Il y a une façon, autant comme un individu, il est imprégné par sa propre histoire individuelle, ses racines familiales, sa culture, on démultiplie ça à l'échelle d'une nation. Et de la même façon, la France, dans son ensemble, il y a dans la culture française imprégné cette culture catholique, y compris chez les athées, etc. Avec certains réflexes, certaines choses qui nous choquent, certaines choses pour lesquelles on a envie de s'investir et qui sont profondément des valeurs héritées de ces racines, on va dire, catholiques et chrétiennes de la France. Et donc du côté français, on essayait de faire de ces Africains des Français, ce qui n'était absolument pas, je vous dis, la préoccupation des autres colonisateurs. Donc ça, c'est une spécificité de la France, ce système où on cherche à assimiler, hein, puisque c'était le terme utilisé d'ailleurs, c'est pour ça que peut-être ce terme il choque encore aujourd'hui, c'est le terme de l'assimilation, mais c'était le terme qui était utilisé par les colonisateurs pour parler des populations d'indigènes qu'on prétendait assimiler à la nation française sur une période qui n'était pas évidemment définie dans le temps. On peut estimer qu'en quelques années, ça aurait été peut-être possible, hein, je ne sais pas. C'est ce qu'on pensait, en tout cas, les colonisateurs à l'époque. Alors, vous me dites, une fois j'ai dit ici, te pas, dois s'en rappeler que si j'étais obligé de choisir entre mes deux nationalités, je choisirais la française. Un méthano qui est présent sur le chat ce soir et dont je tairai le nom par courtoisie m'a répondu, je cite, toi, tu dis manger du porc comme si c'était aussi honteux qu'être pédophile, par exemple. Et là, je me suis dit, c'est pas gagné. C'est Jacques qui dit ça. Oui, c'est vrai. Bah, la réaction, la réaction, je me rappelle très bien, effectivement, que tu avais dit ça, Jacques. Je sais que c'est difficile, c'est vrai. C'est pas gagné dans les deux sens. C'est pas gagné parce qu'il y a encore
peut-être dans justement le principe des communautés qui s'est installé. Hein, d'ailleurs, c'est toi-même qui le rappelais qu'il y a un moment donné, il y a eu un basculement, hein, même au niveau de l'islam en France. L'islam n'a jamais été un problème. Moi aussi, je me rappelle, ce n'était pas un problème. On ne parlait pas de l'islam en France. Ce n'était pas un problème. Et puis, c'est devenu un problème. Et alors, à partir des années 90, effectivement, on a commencé à de plus en plus en parler. En posant un problème, alors on a parlé de ces gens qui sont arrivés effectivement avec des nouvelles prêches, des nouveaux discours, etc., de nouvelles intentions. Et à partir, alors là, de 2001, c'était le déclenchement absolu, le haro sur l'islam et sur le monde musulman en général. On a commencé à diaboliser les musulmans, commencé à parler d'un problème de l'islam en France. On a eu je ne sais combien de couves, de l'Express, du Point, etc. Et j'en passe. Donc ça, on vous dit, ah, l'islam en France, puis on vous montre un mec avec une Kalachnikov. Juste, voilà, c'était pas pour faire peur aux gens. Non, certainement pas. Puis ils faisaient pas une association terrorisme-islam, pas du tout. Non, ils essayaient de refléter une forme d'objectivité. Hein, donc vous savez très bien. Mais voilà, on a eu donc droit à tout ce... cette propagande, cette vision des choses qui a été remuée dans tous les sens, qu'on nous a expliqué, hein, les musulmans, ils cherchent à s'installer en France, à installer la charia, à déstabiliser la France. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Chalhoumi à la télé, hein, voilà, hein, on a vu David Boubaker. C'est-à-dire que finalement, les prétendus représentants de la communauté musulmane française, ils sont pas très dangereux, hein. C'est pas Nabila ou Jamel Debbouze qui vont renverser le système, on l'avait bien compris. Donc finalement, le système, c'est évidemment, il se garde bien de mettre certaines personnes en avant, mais on comprend bien que c'est à partir de ce moment-là que tout ça a commencé à basculer. Complètement nous faire et puis ça a basculé aussi, alors dans les films ça avait commencé depuis longtemps, mais ça a connu une accélération, et puis au point de devenir admis maintenant, puisqu'il y a les jeux vidéo, vous savez, voilà, etc. Il y a eu toute une imagerie, toute une presse, une espèce de storytelling, hein, ça c'est le mot qui est utilisé, qui est né autour donc de cette fantasmagorie du musulman terroriste qui est en train de comploter contre les pays occidentaux, ou alors d'un lobby musulman qui chercherait à imposer la charia et à imposer son modèle sur l'Occident. Ça, c'est la façon dont on nous a présenté les choses. Et évidemment, ça a parcouru les esprits, et puis jusqu'à, évidemment, notre époque, où on connaît un revers, on va dire, il y a un autre bug de la matrice, c'est que toute la génération qui était cette génération qui vient véritablement de l'antiracisme et de la gauche, donc c'était une génération complètement gauchisante, mais de l'ancien parti socialiste, enfin ce qu'il en restait, qui a fait naître cette idéologie antiraciste, d'apologie des banlieues, presque de victimisation perpétuelle, j'ai envie de dire, des banlieues, avec toujours le côté « oh, les pauvres », etc., etc. Bon, toute cette idéologie est devenue majoritaire, elle s'est imposée, puis maintenant on se retrouve confronté à toute une partie des gens qui ont porté cette idéologie, et qui en sont sortis, et qui, au contraire, maintenant la conspuent, la dénoncent. Et ça devient très embêtant pour les autorités en place, parce que ça aussi c'est un bug de la matrice, parce que ces gens qui aujourd'hui se font les pourfendeurs de toute cette cette idéologie antiraciste, ce sont des descendants d'immigrés eux-mêmes. Donc des gens qui a priori sont concernés au premier chef par cette problématique de l'antiracisme, et puisque c'est eux qui l'ont porté en plus pendant des années. Et maintenant, ils s'en séparent et ils la dénoncent comme une imposture de base. Imposture qui, elle-même, est la cause même, peut-être même bien aussi, du racisme et des tensions communautaires qui subsistent en France. Donc là, on est confronté à un deuxième bug de la matrice, quand on est confronté encore à un moment donné où ça ne correspond plus, la matrice bug complètement par rapport au plan qui était initial, qui était prévu.
Parce que toute cette population-là, normalement, elle devait rester du côté des antiracistes et continuer à colporter l'idéologie de l'Empire. Là, on voit bien que non, ça a complètement capoté. Alors, il y a Pascalien, il dit la colonisation est devoir des races supérieures. Oui, ça c'est ce que pensait Jules Ferry, un homme de gauche comme on l'aime. Hein. Alors, il y a Victor Dum Dum, il dit sur l'Ukraine et la Russie, je pense qu'il faut soutenir Poutine pour ses positions à l'international Syrie, mais que l'on ne doit pas le prendre pour modèle au niveau national. Il est immigrationniste, capitaliste, met en prison les nationalistes dissidents russes. Ouais, bah oui, bien sûr, Poutine, de toute façon, on a toujours des critiques à lui faire, mais c'est vrai que sur le point de vue international, il a plutôt été grand chef. Mais après, la Russie, c'est un grand pays. Je me demande à quel point un pays de cette taille peut être démocratique et de quelle façon on peut organiser un pays dans une démocratie quand on est aussi vaste et aussi nombreux. Ça, c'est une question aussi qui mérite quand même une grande réponse. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Poutine est pro-sioniste, mais a toujours soutenu le traditionnalisme des religions et des valeurs. Oui, il a toujours soutenu quand même aussi une forme d'attachement au respect du droit international. En tout cas, c'est ce qui a été, comment dire, toujours ce qui a été le sens de son action, en tout cas l'espèce de colonne vertébrale. Hein, le principe sur lequel il a fondé on va dire, la politique étrangère russe, d'attachement à cette souveraineté des nations et au respect du droit international, ce qui est évidemment le contraire de l'OTAN en face, qui elle ne fait que s'asseoir sur le droit international. Je veux dire, le droit international, hein, il s'assied, hein, si j'ose pas te dire, il se torche avec tous les matins. Hein, je veux dire, l'OTAN n'a que faire du droit international, elle le bafoue. Allègrement, on se sert d'une disposition comme en Libye où il est à peine marqué de faire une zone d'exclusion aérienne pour détruire tout un pays. Voilà la conception du droit international par l'OTAN, ou alors comme en Côte d'Ivoire où c'est un représentant de l'ONU qui outrepasse toutes les institutions nationales et se permet de déclarer un candidat vainqueur d'une élection alors même que l'institution suprême du pays, à savoir le Conseil constitutionnel, a désigné un autre président. Qu'on nous explique, hein, en quoi le droit onusien, là, donc, est supérieur donc, au droit ivoirien, et donc les Ivoiriens ne sont pas, les institutions ivoiriennes ne sont pas en mesure donc d'établir la constitutionnalité d'une élection sans en référer un représentant de l'ONU. Vous voyez, ça c'est le nouvel ordre mondial même, si j'ose dire. Voilà comment le monde aujourd'hui est dirigé, avec une espèce de caste comme ça qui décide. Et peut-être que Poutine, à un moment donné, on l'a vu comme le représentant d'un homme qui se levait un peu contre ce système et contre cette caste. Après qu'il en fasse partie, comme le prétend Pierre Hilard, eh ben, c'est quelque chose que l'histoire nous démontrera certainement avec le temps. Nous serons des témoins de cette histoire. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Moi, j'ai un souci avec les guerriers du net néo-nationaliste à la noix. Pendant des années, ils ont méprisé les musulmans parce qu'ils les considéraient comme arriérés, trop proches de la tradition, alors qu'eux-mêmes se considéraient au top de la modernité, parce que super américains, maintenant que c'est la crise, voilà qu'il n'y a plus d'argent pour consommer de la merde, ils se découvrent super patriotes et font la gueule, ils s'en prennent aux musulmans parce que leur goût, ils sont pas assez français, alors qu'en vrai c'est juste le fait de devenir pauvre qui les emmerde et ils cherchent des coupables. Voilà, c'est Pipo qui nous dit ça. C'est une analyse, écoute, c'est ton analyse. Je pense qu'il y a eu aussi un basculement dans les esprits. Je sais pas si c'est juste la crise économique, mais c'est aussi le phénomène d'Internet en soi, qui a ramené une information sur des sujets pour lesquels jusqu'à présent on était très démunis et très sous-informés. Donc ça ne nous permettait pas d'être suffisamment fort et armé en comparaison donc, de certaines, comment dire, de certaines personnes en face desquelles voilà, ils avaient des arguments qu'on ne pouvait pas combattre, alors qu'en vérité, il y avait de matière à faire. Alors je crois qu'on a un auditeur avec nous. C'est Alasso. D'accord, c'est Alasso. Allô, Alasso.
Allô, ça passe. Ouais, tu me reçois? On trouve ça très bien. Ouais, tu me reçois, ok, parfait. Eh ben, écoute, heureux encore une fois d'intervenir avec toi, te parle. En Honoré. plus, là, c'est un Honoré. sujet qui, à mon avis, qui, Ah ouais, qui parle, là, on en a parlé là, un peu de. évidemment. Ben, je pense qu'on est pas loin de comment dire du sujet qui me préoccupe énormément en ce moment. Ouais, tout à fait, ouais. Juste au passage, je passe un grand salut à tout le monde et à tous les timides qui n'ont pas voulu appeler ce soir, hein, ils se reconnaîtront. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai... je sais pas, ils ont peur d'appeler. Enfin, moi, j'aimerais juste revenir avec toi, Thomas, si tu veux bien, sur l'intervention d'Albert Ali, parce que je pense que ça pourrait être utile pour rappeler ou clarifier certaines de ses positions sur enfin, les grandes lignes, les sujets, enfin, particulièrement ceux qui m'intéressent, moi. Il y a d'autres personnes qui sont intéressées peut-être par d'autres problématiques, mais moi, en gros, ce que j'ai retenu de ce qu'il a dit, c'est que lui, comment dire, il préconisait pour les jeunes issus des quartiers, issus de l'immigration, etc., la masse, en gros, musulmane, même, je vais pas employer le mot de communauté, parce qu'on en a déjà parlé, mais disons que la masse musulmane de France, il leur préconisait en fait de se construire une culture française de haut niveau, ça c'est pour reprendre ses mots, tout en conservant des bases théologiques non négociables, d'après ce qu'il a dit. Donc ouais, effectivement, c'est quelque chose qui se tient, ça va un peu dans le sens de Kamel, enfin ça va complètement dans le sens de Kamel Béchik, par exemple, la station Fils de France. Voilà. Une deuxième chose, c'est sur la question de la remigration. Apparemment, il n'y était pas complètement fermé, ou il avait l'air d'être plutôt ouvert sur la question. Mais je ne sais pas si il a pris la question pour les descendants d'immigrés ou pour les immigrants d'aujourd'hui, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'était plus pour Ça? les immigrants d'aujourd'hui. Ouais, voilà. Il parlait de gens qui étaient arrivés récemment, quoi. Tu vois, pas quelqu'un qui est là depuis 2 générations. C'est genre le mec qui vient, il est là depuis quelques années. On lui dit, bon, bah écoute, si tu veux, tu peux repartir, en gros. Voilà, c'est ça. En gros, je pense qu'il a répondu sur et c'est logique et c'est comment dire, c'est cohérent avec les interventions, les multiples interventions qu'il a faites à travers des vidéos, etc. Sur le comment dire le fait qu'on devrait être aujourd'hui opposé à l'immigration de masse, logiquement qui aujourd'hui n'est pas raisonnable quoi en France. Mais j'ai l'impression que vraiment sur la question de la remigration, voilà, il s'est focalisé sur les immigrants d'aujourd'hui, des quelques dernières années, quoi. Et pas forcément sur celles que je peux concevoir dans les idées de Kémi Séba, notamment, par exemple, qui va concerner plus de générations, enfin, plus de personnes que ça, en fait, hein, vraiment les deuxièmes générations, troisième génération d'immigrés, et pas les derniers arrivants. Enfin bon, c'est peut-être un débat qui sera fait avec un panafricain peut-être un jour, si vous le recevez. Il y a aussi une autre question à laquelle il a répondu, c'est sur les dommages, comment dire, les dommages sur l'identité culturelle des descendants d'immigrés qui sont liés au déracinement ou plutôt à l'assimilation ou à l'intégration en France. En gros, il avait dit clairement, je crois que tu ne peux pas éviter des pertes et des dommages du fait du déracinement de ton pays d'origine, du fait de comment dire du côtoiement d'une majorité face à une minorité. C'est-à-dire que toi, si t'appartiens à une minorité face à une majorité qui a une culture différente. Tu ne pourras pas éviter des dommages sur ton identité culturelle, etc. Il a pris l'exemple du Royaume-Uni, où apparemment là-bas on a cru on a cru jusqu'au bout au multiculturalisme, où chaque communauté aurait la possibilité de garder comment dire, ses bases culturelles, etc. Mais il a bien montré qu'en réalité ça n'a pas fonctionné. Que l'évolution culturelle des immigrés au Royaume-Uni ne suivait pas du tout l'évolution des autochtones restés au pays d'origine. Il avait pris l'exemple du Pakistan, par exemple. Donc moi, c'est une question qui m'avait intéressé parce que j'essaye d'estimer
qu'est-ce qu'on a perdu en tant que descendant d'immigrés ou en tant qu'immigrés, qu'est-ce qu'on a perdu en termes de culture par rapport à notre pays, et qu'est-ce qu'on aurait gagné si on était resté, si on était revenu. Et je trouve que c'est, vu que la culture c'est quelque chose d'inestimable, c'est un travail difficile d'estimer ce qu'on a perdu, ce qu'on a gagné. Est-ce qu'on a gagné au change en s'assimilant, en essayant de s'intégrer, ou est-ce qu'on n'a pas trop perdu, etc., etc. Moi, je trouve que c'est une question très importante et centrale, la question de la culture et des pertes et des dommages. Et je crois que dans les grandes lignes, c'est les questions qui m'ont intéressé, qui m'ont marqué en tout cas ce soir sur son intervention. Moi, j'ai trouvé ça aussi intéressant. De toute façon, on va le réinviter. Et je vois que ça continue sur le chat parce qu'il y a énormément de. Ça a fait un gros débat cette histoire parce qu'il y a pas mal de descendants d'immigrés aujourd'hui. Et il y a un débat qui s'engage pour savoir est-ce que cette immigration, il faut l'arrêter ou pas finalement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Là, l'immigration d'aujourd'hui ? Oui. Bah ouais, là, je crois que s'il y a une chose sur laquelle pratiquement toute la dissidence est d'accord, c'est l'arrêt de l'immigration massive. Hein. Je sais pas si tu es d'accord là-dessus, mais autant pour les pauvres morts de Lampedusa que pour le bien économique de l'Europe. Hein. Enfin, c'est pour les deux camps, si j'ose dire, c'est primordial qu'on arrête l'immigration massive. Hein. Mais bon, en tout cas, j'ai pas l'impression d'être un marginal en disant ça, quoi. Ah oui, bien sûr. Ah bah non, de plus en plus. Mais c'est-à-dire qu'avant, si tu veux, c'était un sujet tabou chez les descendants d'immigrés, parce que comme il y avait une espèce de on suivait la doxa, il faut être immigrationniste, quoi. C'est-à-dire si on est un descendant d'immigré, qu'on est contre l'immigration, on va même se faire rétorquer. Moi, je me suis déjà vu faire rétorquer par des Français justement de souche qui m'ont dit ah mais attention, toi t'aurais pas été là si tu pensais comme si on avait mis des gens comme toi au pouvoir. C'est complètement débile, parce que bon, moi en plus je suis pas vraiment un immigré, c'est un peu particulier, mais c'est-à-dire ça n'a pas de sens. Mais tu pouvais pas te dire mieux. Par exemple, tu prends les parents des personnes comme moi qui sont descendants d'immigrés, et tu vas essayer de leur expliquer qu'effectivement aujourd'hui l'immigration massive ça peut être un danger. D'accord ? Donc là, tu t'adresses à des personnes qui ont eux-mêmes émigré, qui sont des immigrés, d'accord ? Et tu leur dis, aujourd'hui, l'idéal, ce serait d'essayer de voter peut-être pour un parti qui veut limiter l'immigration, ou en tout cas, faire en sorte de limiter l'immigration. Je pense que dans la majorité des cas, la réponse que tu auras, c'est non, franchement, on peut pas te laisser dire ça. Qu'est-ce qu'on ferait nous sans l'immigration, où serais-tu toi, etc. Tu vois ? Donc c'est quelque chose de très sensible, et c'est très dur de convaincre les premières générations d'immigrés qu'effectivement aujourd'hui, il faut juste expliquer qu'on n'est plus dans le même contexte. Moi, je prends mon exemple personnel. Mes parents ont émigré d'Algérie dans la deuxième partie, disons, des Trente Glorieuses. Avant les années 70, fin des années 60, début des années 70. Ils sont arrivés dans un contexte où les grands problèmes économiques se posaient pas forcément. On était, c'est vrai, à l'aube d'une grosse crise économique, mais c'était pas, il y avait du boulot pour tout le monde, et puis on avait besoin de bras de toute façon pour plein de chantiers en France, quoi. Ouais. Dans tous les domaines de l'activité économique. Aujourd'hui, quand un chômage qui s'arrête pas, qui fait qu'augmenter, etc., etc., des problèmes culturels, un tas de problèmes liés à l'immigration, tu peux plus fermer les yeux là-dessus et dire que non, c'est un phénomène complètement naturel, on n'a pas à s'en préoccuper, etc. Évidemment qu'il faut s'en préoccuper et que ça cause des problèmes. Et c'est un challenge, c'est un défi de réussir à expliquer et convaincre les premières générations d'immigrés qu'aujourd'hui on n'est plus dans le même contexte, c'est plus la même histoire. Mais ça, il y a eu un changement parce qu'aujourd'hui on en parle vraiment plus librement. Hein. Alors qu'avant, il y a encore 10 ans, c'était un sujet, mais
quasi impossible à aborder. Enfin, je parle d'un point de vue d'un descendant d'immigré. Tu vois, mais c'est un sujet aujourd'hui qui est plus tabou, quoi. Et pour rapidement juste aborder une autre problématique, c'est quelque chose qu'on aurait sûrement bien voulu poser, enfin une question qu'on aurait bien voulu poser à Albert Ali, c'est la question de la double nationalité. Ah oui. J'ai vu que ça passait aussi sur le chat là, et c'est vrai que je trouve c'est une question très très pertinente. J'ai souvent eu ce débat dans mon entourage, je parle avec des jeunes de quartier, à savoir dans le cas, et c'est voilà une question toute bête et peut-être un peu difficile, mais dans le cas d'un conflit armé entre un pays, entre deux pays dont t'as la nationalité, enfin pour les deux, tu vois. Je prends un franco-malien aujourd'hui, je sais pas si on avait déjà parlé de ça d'ailleurs, mais enfin bref, un franco-malien aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un conflit armé au Mali entre la France et bon des forces maliennes, pas forcément le gouvernement malien puisqu'ils travaillent ensemble visiblement France et Mali, mais c'est quelque chose de plausible, c'est une situation qui est très plausible, qui est possible c'est possible qu'il y ait un conflit réel entre un gouvernement français, enfin l'armée française et l'armée je sais pas de Centrafrique ou l'armée du Mali. C'est possible, vu qu'on est dans un contexte de conflit, de guerre, etc. Même si c'est des nouvelles formes de guerre, des nouvelles formes de conflit. Et moi, je demande aux descendants d'immigrés maliens, aux descendants d'immigrés centrafricains, ou peu importe, comment tu réagis face à ça? C'est ça que j'aimerais voir, tu vois. Comment tu réagis s'il y a demain un conflit entre ton pays d'origine? Et c'est une question très polémique, je trouve, tu vois. Et je me demande comment les gens, les descendants d'immigrés, réagiraient là-dessus. Et je sais déjà que tu vas dans n'importe quel quartier, tu vas en bas d'une cité, tu poses la question, le 99% des cas, t'as la réponse, hein, ils choisiront pas la France, tu vois. Donc Albert Ali, pour moi, il fait vraiment l'exception. Parmi lui il est plus très très jeune, mais parmi les descendants d'immigrés, je trouve qu'il, peut-être pas le marginal, mais un petit peu figure d'exception quand même. Ouais, mais quand même, si on devenait le choix à tous ceux qui sont un peu dans la même situation, c'est-à-dire lui, là, comme il a expliqué, hein, c'est quoi la troisième génération, il a ses enfants, donc c'est la quatrième génération. Eux, ils retourneront pas en Algérie. Ah mais oui, non, mais pour lui, la question, elle se pose, je pense qu'elle se pose même pas, c'est sûr, c'est certain. Lui-même, je crois pas me tromper quand je dis qu'il prône un peu l'assimilation. Hein. Complètement. Assimilation, acculturation, assimilation, je crois que c'est des... Pourquoi acculturation, alors ça c'est marrant. Tu penses qu'il prône l'acculturation? Vu qu'il reconnaît qu'on doit garder des bases de nos origines. Mm-hmm. Je crois qu'il a bien mentionné ça. Il a dit même s'il a dit qu'à terme, de façon naturelle, ce sera coupé, les liens seront coupés avec les origines. C'est que quelque part il valide l'acculturation, quoi, le processus d'acculturation. Et visiblement, qui est quelque chose de naturel. En tout cas, lui, il n'a pas l'air de dire qu'il faut se battre contre l'acculturation. C'est ce que je dis. Ah, mais ça, c'est parce que quand tu parles d'acculturation, est-ce que les jeunes, par exemple, moi, quand je vois les jeunes d'aujourd'hui qui sont sous influence, comme il a évoqué aussi à un moment, qui sont, je veux dire, la culture à laquelle il se réfère, elle est plus proche d'une culture américano-mondialiste qu'une culture islamo-maghrébine, quoi. Enfin, tu vois, le fondement de leur culture, moi, quand je vois un Lafouine ou un machin, enfin, tous les symboles de tous les rappeurs, tu vois, qui forgent l'imaginaire des jeunes, ils sont tous dans une culture américano-mondialiste, même s'ils représentent des racines, je viens du Maroc, d'Algérie, etc., on met des drapeaux marocains dans les titres, mais le fondement de leur logiciel, il est complètement américano-mondialiste. Ce serait intéressant d'estimer ou de peser, tu sais,
le poids de la culture américaine et face au poids, en parallèle, au poids de la culture, disons, arabo-africo-afro-musulmane. D'essayer d'évaluer, je sais pas, en pourcentage, de chiffrer même, tu vois, à combien les jeunes sont attachés aux deux cultures. Parce que un truc qui est indéniable, c'est qu'ils sont, enfin, pour la plupart, et je veux volontiers m'inclure là-dedans, perdu entre plusieurs cultures, mais vraiment perdu. C'est quand on parle de perte de repères identitaires, c'est tout ça. C'est le poids de la culture américaine, le poids de la culture mondialiste, etc. Le poids de la culture arabo-afro-musulmane. Et ce serait vraiment, je trouve, intéressant de faire des études là-dessus, voir qu'est-ce qui est le plus influent, tu vois, sur les jeunes. Et moi, pour l'instant, tout ce que je vois, c'est perdu, c'est-à-dire on ne sait pas. Donc, c'est vraiment le cul entre deux chaises. Mix, c'est-à-dire qu'il y a un peu de, tu vois, d'arabo-musulmans, il y a beaucoup d'américains, il y a un peu de français, il y a un peu, tu sais, puis tout ça, ça se mélange, ça fait une espèce de globi-boulga mondialiste un peu, quoi. Tu vois, l'homme, l'homme soit sans repère, soit au contraire avec tellement de repères que t'en as plus, quoi. Parce que bon, c'est un peu le principe, pour donner un exemple. C'est comme souvent, t'as dû en croiser, moi j'habite en banlieue parisienne, et puis je vois le mec, il est en djellaba avec... Djellaba Air Max, j'allais dire, tu vois, de cette culture complètement gloobie-boulgarisée, quoi, tu vois. C'est vrai que c'est vachement symbolique de ça, de cette culture, comme tu dis, ouais, le gloobie-boulga, de la culture... américano, islamo, arabo, machin, tout mélangé, et ça se retrouve sur le sol français, et derrière, t'as tous les autochtones qui sont là en train de toquer et de gueuler, ouais, et les gars, vous nous oubliez, quoi, tu vois. Et en gros, le message d'Albert Ali, c'est un peu de dire, revenir aux bases, quoi, de la culture française, et oublier un petit peu toutes les cultures extra-françaises, en fait, pour garder l'essentiel, c'est-à-dire des bases théologiques auxquelles on tient, qui sont en réalité l'essentiel, hein, parce que le paraître, comme, enfin, tu sais, aller en djellaba à la mosquée, c'est pas un comment dire, quelque chose qui est requis forcément, tu vois, surtout quand tu vis dans un pays étranger, enfin étranger, pas étranger, étranger à ta tradition, à ta culture. Mm-hmm. C'est pas un mal non plus d'essayer de se fondre un petit peu dans le paysage français. La dernière fois, c'était le débat sur les minarets, etc. Mais qui est sérieusement veut imposer un minaret pour sa mosquée, tu vois? C'est peut-être super, c'est joli. Moi, je suis un grand admirateur de l'architecture arabo-musulmane, etc., des mosquées... Mais je vais dire, quand t'es en France, si ça te dérange un petit peu, si c'est quelque chose qui va pas plaire aux autochtones et aux personnes qui vivent sur le territoire, pourquoi tu vas aller forcer? D'ailleurs, je pense pas que c'est très malin, en fait, d'afficher des codes vestimentaires, des codes architecturaux, etc., qui vont pas dans le paysage français. C'est vrai que dans ce sens-là, je suis d'accord avec Albert Ali et Kamel Béchik sur peut-être, j'aime pas les mots intégration, assimilation, acculturation, etc., parce que j'ai toujours envie d'être très attaché à ma culture d'origine, parce que j'ai pas envie qu'il lui arrive la même chose qui arrive à la culture française, tu sais, qui est en train de se perdre à cause de l'américanisation et du mondialisme. Si on pouvait éviter ça pour les cultures africaines, ce serait bien, tu vois. Mais c'est vrai que je trouve dommage parfois d'insister sur le paraître et les codes vestimentaires qui vont pas bien, les codes d'architecture, et c'est tout un tas de choses qui sont juste dans le paraître, en oubliant, et finalement ces gens qui sont dans le paraître, ils oublient finalement le message essentiel, tu vois, la base essentielle théologique, comme le rappelait Albert Ali. Il faut revenir à l'essentiel. Voilà, t'as ta sphère privée, tu pratiques ta religion comme tu veux. Et puis dans l'espace public français, faut choisir, quoi. C'est très intéressant en plus, parce qu'Albert Ali, justement, pour
parlait de Minaret, lui dit aussi, il dit voilà, il dit la même chose, hein, effectivement, que pour que l'islam se fonde, il ne faut pas qu'il y ait des minarets, il faut au contraire que cet islam il naisse de Français qui s'inspire de codes architecturaux français pour que l'islam vienne se greffer à la France naturellement. Et il me donne l'exemple des Chinois, et c'est vrai qu'il montre ces comment dire, ces mosquées chinoises qui se fondent dans le paysage chinois, parce que ça ressemble à il y a des codes architecturaux chinois, mais il n'y a pas de minarets plutôt moyen-orientaux. On sent que c'est vraiment des bâtiments avec les formes chinoises, voilà, espèce de pagode, etc. Mais ce sont des mosquées. Et il dit, c'est normal. Et donc l'islam, comme ça, s'est fondu, c'est a pénétré la nation chinoise. Et voilà, depuis des milliers d'années, ils s'en portent bien, quoi. Enfin, depuis la création de l'islam, quasiment. Ah ben là-dessus, enfin, je suis d'accord. Enfin, la communauté chinoise, plutôt, c'est presque un modèle, en fait, pour toutes les minorités qui coexistent en France. C'est un modèle, je sais pas si c'est un modèle d'intégration ou quoi, mais en tout cas, la communauté chinoise fait pas parler d'elle, fait rarement parler d'elle en mal, quoi, tu vois. Je sais pas, moi, la dernière fois que j'ai entendu un problème sino-français, je m'en rappelle même pas, tu vois, c'est que ça doit pas en avoir tant que ça, hein. C'est peut-être aussi comme Albert Ali disait qu'ils ont des liens extrêmement forts avec le pays d'origine, comme la communauté turque aussi. Est-ce que c'est pas aussi le fait, alors ça tu sais il y a une explication qui tient de l'histoire, est-ce que les Vietnamiens en particulier, ayant mené une guerre de décolonisation contre la France, une guerre qu'ils ont gagnée, je le rappelle, sur le plan militaire, hein, alors qu'en revanche, on sait très bien que la guerre d'Algérie, c'est une victoire militaire pour la France, mais c'est une défaite politique. Hein. La France, elle a perdu sur le plan politique. Donc, est-ce que c'est pas un peu ça qui est pas digéré quelque part par les deux côtés, quelque part par la communauté française et la communauté algérienne, alors que vis-à-vis de cette communauté vietnamienne, c'est presque un partout, quoi. Ils disent. Bon, les Français sont venus nous envahir, ils nous ont colonisés, mais on les a mis dehors avec la même violence militaire qui les était venus nous occuper, alors que finalement, en Algérie, c'est passé différemment. Puis... Je crois que l'Algérie, tout comme un grand nombre de pays africains, est toujours resté depuis l'indépendance, toujours resté quand même un minimum sous l'influence de la France, l'influence politique. Économique de la France, comme le Mali, comme tout l'ancien empire colonial français, en fait, hein, jusqu'à aujourd'hui. Hein. La preuve de ça, c'est les interventions militaires récentes dans les pays proches du Sahel. Donc, au final, peut-être que l'histoire France-Algérie est toujours en train de s'écrire. L'Algérie n'a pas totalement fait scission avec la France, et la France n'a pas du tout fait scission avec son ancien empire colonial. Comme disait un comédien bien célèbre, c'est des indépendances de façade en réalité qui ont été gagnées par les pays africains. Pour que l'Algérie elle soit quand même un des pays les plus... les plus autonomes, on va dire. Dans cette communauté africaine. Hein, parce que l'Algérie, bon, dès le début, quand même, il y a eu une guerre d'indépendance, et ça conférait quand même une légitimité, un pouvoir fort au gouvernement de Boumediene dès le départ. Et une force au peuple algérien qui s'est vu, tu connais bien le patriotisme algérien, ça vient de là. Dans beaucoup des pays arabes, et notamment des pays du Golfe, l'Algérie, ça reste la patrie du million de martyrs. Et tout ça s'inscrit dans la légende un peu algérienne qui donne cette force patriotique à son peuple. Oui, bien sûr. En plus, la nation algérienne, elle s'est bâtie en opposition à la nation française à une époque où la France était un pays très nationaliste. Je veux dire, là, on parle de... Oui.
Ouais, et donc forcément, je trouve que les Algériens, ils ont gardé la mesure de cet ancien nationalisme français, alors que le nationalisme français, lui, depuis, s'est effondré, alors que le nationalisme algérien, bah, il a perpétué, il a continué, et avec la même force, la même vigueur, le même entrain. Hein, les Algériens sont très patriotes, très fiers de Voilà. l'Algérie. Ils mettent des drapeaux algériens partout. Voilà. Ça, et en ça, ils étaient proches des Français, mais des Français des années 60, pas des Français de 2014, quoi. Et tout le problème que Albert Ali vient imposer, je le dis aussi qu'à Kamel Béchik, parce que je trouve qu'ils sont vraiment quasiment sur la même ligne. Hein. Je veux dire, c'est deux personnages qui sont sur la même idée. Les problèmes qu'ils viennent poser, c'est celui-là, c'est soit de faire le deuil de son pays d'origine, aussi patriote qu'on soit ou que ses parents soient, choisir d'assumer ce patriotisme et jusqu'au bout, c'est-à-dire et de revenir peut-être sur la terre algérienne, en Afrique, tu vois. Je Ouais, c'est trouve vrai. que c'est vraiment tout le problème que Albert Ali vient poser. C'est de dire aux jeunes descendants d'immigrés, vous devez faire un choix, en fait. Il faut vraiment faire un choix, tu vois. Tu peux pas te contenter d'un jour, quand tu pars en voyage, dire que tu es français, comment dire, te reconnaître français, t'identifier comme un français, et le lendemain, quand tu reviens à Paris ou à Marseille, cracher sur toute la culture française et te revendiquer comme un Algérien, un Tunisien, un Marocain, un Malien, un Comorien, etc. Tu vois? Ouais. Alors justement là, il y a plein de. Alors il y a par exemple, selon l'Athénien, il nous dit à l'invité que ce sont les Wahhabites qui disent que l'innovation est interdite. Alors il s'habille en djellaba, et pour les minarets, c'est pareil, etc. Donc il parle de cette influence de cet Ouais, mais islam wahhabite, voilà alors, je vais te dire une chose, moi, voilà. qui prône tout ça. Ouais. Tu sais, ce pas, on entend beaucoup, beaucoup, et je crois que c'est dû aussi comment dire, aux gens qui vont pas. Là, je parle pas de la personne là qui intervient sur le chat, mais il y a beaucoup de personnes qui vont pas suffisamment vraiment creuser l'information sur ce que peut être le wahhabisme, toutes ces espèces de courants, le takfirisme, comme maintenant l'appelle Soral. Il faut vraiment essayer d'identifier clairement qui sont les personnes qui peuvent être influentes dans ces courants, dans ces mouvements-là, tu vois. On peut pas juste dire, ouais, toute l'Arabie Saoudite, c'est des pourris, tout le Qatar, c'est des pourris, tu vois. Ça, je trouve, c'est super réducteur de dire ça, tu vois. Il y a des gens en Arabie Saoudite et au Qatar et dans les Émirats qui font des merveilles, tu vois. Qui sont des donateurs généreux, sincères, par exemple, etc. Après, pour ce qui est de la critique des personnes qui financent, par exemple, les radicaux en Syrie, en Libye, etc., oui, là, on est d'accord. Évidemment, c'est du grand n'importe quoi. T'as une personne comme le prince. Ah, j'oublie son nom, c'est un prince saoudien. Phrase bandard. Oui, voilà. Merci, merci pas. Ouais, c'est lui qui dit qu'en gros, aujourd'hui, le meilleur allié d'Arabie Saoudite, c'est Israël. Ah bah oui, bah Crois-moi, clairement. voilà, mais crois-moi que ça, c'est un discours qui est pas, déjà, qui est d'une, qui est pas super médiatisé en Arabie Saoudite. Je peux le dire parce que je côtoie des Saoudiens à qui j'ai, enfin que j'ai soumis à ces questions-là, tu vois, et qui m'ont répondu très sincèrement. Déjà, c'est quelque chose qui n'est pas diffusé très publiquement, très largement en Arabie Saoudite. Donc, c'est quelque chose qui est gardé un peu secret du grand public saoudien, qui évidemment serait jamais d'accord. Faut savoir que l'Arabie Saoudite c'est aussi composé de vieilles tribus, la tradition bédouine, tu sais, des bédouins, des vieux Non, bien sûr, bédouins bien du sûr. désert, tu vois, des mecs. Tu vas leur dire que t'as envie de faire une alliance avec Israël, et ils vont te sortir une lame de 6 mètres et ils vont trancher la gorge avec, tu vois. Donc faut Beaucoup de essayer. chiites aussi, il y a beaucoup de problèmes avec les Il chiites. y a des chiites, il y a des Et chiites. En gros, en fait, les chiites en Arabie Saoudite, en fait, ils leur ont réservé une partie un peu du territoire, en fait. C'est oui. au nord-est de l'Arabie Saoudite, en gros, les chiites. Mais par contre, c'est vrai que les chiites là-bas,
Comme on ne sait pas qu'ils n'ont pas de droits, ils ont tous les droits que les résidents saoudiens ont, mais ils n'ont pas de droit de propager, par exemple, leur théologie, leur idéologie, tu vois. Oui, et puis il y a quand même des problèmes, puisqu'il y a eu des grandes manifestations, hein, il y a 2 ans et tout, qui ont été au Bahreïn, mais c'est l'Arabie Saoudite qui est venue en plus intervenir au Bahreïn, mais même sur le territoire saoudien même, il y avait des troubles avec les communautés chiites, hein, des troubles solidarité avec le Bahreïn. Ouais, tout à et là, encore plus récemment, tu as pu entendre les problèmes des Éthiopiens, des Somaliens en Arabie Saoudite, tu vois. Ils ont renvoyé, je crois, 55 000 personnes en Éthiopie. Des immigrés illégaux, ils ont fait une traque aux immigrés, et t'as les immigrés qui se sont rebellés dans les villes, dans les grandes villes, et ça a donné lieu à des trucs, ça a donné lieu, tu sais, un peu de casse, et ils ont bloqué des rues, ils ont fait de la casse, etc., et au final, ça s'est réglé, ils ont renvoyé une grande quantité d'immigrés, alors illégaux ou légaux, je sais pas, mais... Bah, c'était des légaux, apparemment, c'était des travailleurs, hein, moi, ce que j'ai lu. Ouais. De toute façon, c'est vrai qu'il y a des gros problèmes qui se posent en Arabie Saoudite. Hein. Tu sais, on peut le dire, l'esclavagisme et tout, tu vois, l'esclavagisme moderne. Clairement, l'Arabie Saoudite, c'est quand même une nation, c'est quand même la seule nation du monde, il n'y a pas d'autre exemple, je crois, d'une nation qui porte le nom d'une famille. Voilà, ouais. Qui est dirigé donc par cette famille telle une main de fer, il y a absolument aucun. Alors là, pour le coup, du régime, on est pire que dans l'autocratie autoritaire. Hein, donc on est dans le despotisme dans sa quintessence en Arabie Saoudite quand même. Il n'y a pas de régime plus. On peut pas faire plus despotique. C'est une famille qui contrôle le pays, quoi. C'est toujours la même chose. Une seule famille. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas de parlement. Il n'y a rien. Ouais, moi franchement, je trouve très intéressant ce qu'on dit sur l'Arabie Saoudite et c'est très pertinent aussi. J'indique juste qu'il parfois faut quand même garder une certaine mesure et des nuances sur qui sont les responsables. Faut essayer d'identifier vraiment les responsables parce que je le dis, il y a quand même une partie du peuple saoudien qui est pas comme ça, tu vois. Moi je parle des autorités saoudiennes, celles qui contrôlent le pays. Tu vois, quand on parle d'Israël, c'est la même chose. En Israël, il y a forcément des gens bien, il y a forcément des tas d'Israéliens qui sont pas d'accord avec la politique du gouvernement israélien, qui portent un regard critique même sur l'existence, etc., et comment cet État il s'est créé. Mais néanmoins, les autorités israéliennes, qui suivent une certaine politique depuis des années, vont dans le sens d'une domination totale, de l'écrasement des Palestiniens, etc. Et du côté saoudien, c'est d'ailleurs, voilà, quand le prince Bandar il se déclare proche d'Israël, c'est pas étonnant, parce que moi, ils me font penser à des musulmans sionistes, hein, je te dis clairement. Hein. Pour moi, la politique qui est menée par l'Arabie saoudite, qui en plus atomise tous les opposants, alors elle n'aide pas les Palestiniens, ne les a jamais aidés, parce que si l'Arabie Saoudite avait tapé du poing sur la table, ça fait longtemps qu'il y aura eu un État palestinien. Tu veux, il y a eu le roi Faisal en 73 quand même, mais bon, c'est ce qui lui est arrivé, quoi. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire en 73, après une réunion à l'ONU où le roi Faisal d'Arabie Saoudite attendait des États-Unis qu'ils soutiennent la solution à 2 États, les États-Unis font savoir à l'ONU qu'ils soutiennent de manière éternelle le grand discours comme d'habitude Israël et qu'il est hors de question d'avoir un État palestinien tant que les problèmes de sécurité d'Israël ne sont pas réglés, etc. À partir de là, le roi Faisal, blocage, embargo sur le pétrole, les prix qui flambent, la crise pétrolière qui s'ensuit, et un an et demi après, il se fait assassiner. Ah bon, hasard ou pas, parce que c'est son neveu qui l'assassine pour des raisons personnelles, mais bon, hasard ou pas, ça profite bien à l'axe américano-sioniste qui met en place un gouvernement saoudien bien sympathique, bien gentil, bien docile. C'est vrai, parce qu'il paraîtrait même que là, en ce moment, ils sont à la manœuvre. Parce que les États-Unis veulent imposer évidemment leur pouvoir en Arabie Saoudite et il y a des velléités d'opposition qui sont en train de s'installer. Il y a une fission, des fissures apparemment au sein même de la famille Saoud où il y a plusieurs courants, tout le monde n'est pas d'accord.
Ce qui est sûr, c'est que, qu'au niveau de la géopolitique, l'Arabie Saoudite est en train de s'isoler toute seule, bêtement, à cause notamment de son insistance face aux problèmes syriens. Tu sais, ils ont insisté tellement pour l'intervention militaire en Syrie qu'aujourd'hui, avec le refus des États-Unis et de la Russie, de la Chine et des États arabes, ils se retrouvent un peu tout seuls sur cette question, et à pas lâcher l'affaire en fait. C'est un jeu pas très malin, pas très intelligent qu'ils sont en train de jouer. Ouais. Ah bah là on nous dit, alors c'est pour revenir au débat de tout à l'heure, j'imagine, c'est Maxo, il dit il y a une différence entre vouloir garder sa culture et vouloir l'imposer aux autres. Il y a une différence entre vouloir garder sa culture et vivre comme au bled, et encore pour la minorité qui reconnaît réellement sa culture d'origine, l'islam qui gêne en France, c'est un islam saoudo-qatari et non un islam maghrébin. Moi, j'avoue, je connais pas, enfin, pas que je connais pas, mais j'ai du mal à voir ce que c'est l'islam saoudo-qatari. Pour être très franc, il faudrait clarifier ce que c'est l'islam saoudo-qatari, en fait. Bah, pour moi, alors moi, ouais. Ce que j'explique, hein, je ne suis pas musulman, j'ai beaucoup d'appointance avec l'islam, parce que j'aime beaucoup la religion musulmane. Mais pour moi, ce que je fais comme différence, d'ailleurs il y a quelqu'un qui en parle aussi sur le chat, c'est qu'on a l'impression que l'islam qui a été importé par les Saoudo-Qataris, justement, c'est une espèce d'islam un peu plus radical, hein, avec des codes, voilà, on revient à la djellaba, les femmes doivent se voiler, etc. Alors que l'islam maghrébin paraît beaucoup plus ouvert, j'ai envie de dire, un peu plus, justement... un peu plus compatible, plus mélangé, voilà. Comme si l'islam maghrébin, ça se voit qu'il vient d'un ferment où il y a eu plein de communautés. Oui. Alors que l'islam du Golfe, on sent que c'est un ferment qui a poussé contre une certaine communauté, qui arrive comme ça et puis qui impose ça aux autres en plus. Sachant que selon ce qu'on avait discuté avec Thierry Messant, cet islam radical-là a été choisi, hein, entre guillemets, mais poussé à partir des années 20-30, on sait que c'est les services britanniques qui ont créé les Frères musulmans et qui se sont emparés de mettre au pouvoir, justement, c'est le cas de la famille Saoud, c'est ce qu'on lui reproche, puisque c'était la secte, justement, cette secte wahhabite, et était la forme d'islam que la plus hardcore possible et qui était rejetée, justement, par tous les musulmans. Donc, c'était une façon de les tenir aussi plus facilement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils imposent ça comme la norme islamique, et rien qu'en imposant ça par la norme islamique, ils opèrent, je trouve, une destruction de l'islam en détruisant l'idéologie de l'islam. Parce que les gens, maintenant, ne s'imaginent l'islam que par ce voile, par la djellaba, par une espèce de radicalisme, etc. Les gens ne voient plus l'islam autrement que ça. Là-dessus, on comprend mieux la distinction, c'est vrai, entre peut-être deux formes. Moi, tu sais, ça me pose un problème, ça me dérange un peu de parler de plusieurs formes d'islam, tu vois. Enfin, tu dois me comprendre, mais... quand on dit oui, l'islam wahhabite, l'islam maghrébin ou l'islam machin, d'accord, il y a peut-être une pratique de l'islam qui est influencée par des traditions, par des peuples, mais l'islam c'est un seul message, a priori. Hein. En principe, il n'y a pas 3, 4, 5 formes différentes d'islam. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être. Des traditions et des coutumes et des peuples, etc., qui vont influencer la pratique de l'islam. Quand tu me parles, par exemple, de ces gens qui veulent revenir à des choses un peu archaïques, pas de la violence, mais être strict au maximum, etc., là, oui, d'accord, je veux bien entendre cette définition de l'islam saoudo-qatari. Opposé à un islam plus ouvert, plus dans la tolérance, l'intégration, l'adaptation, etc. C'est vrai. Effectivement, il faut pas compter sur l'État français pour lutter contre l'influence, comme c'est d'ailleurs le cas au Royaume-Uni. Faut pas compter sur eux pour lutter contre cette influence du Golfe, on va dire, sur les jeunes et c'est très intéressant de voir des gens qui sont eux-mêmes influencés par ça,
dire ce qu'ils en pensent, tu vois. Ouais. Et entre guillemets, des djihadistes en puissance, quoi. Savoir ce qu'ils ont un petit peu dans la tête, parce que ils doivent être vraiment, vraiment, vraiment déconnectés du message essentiel de l'islam, tu vois. Ah, ouais. Et bon, effectivement, ouais, l'islam saoudo-qatari, c'est spécial, ouais, c'est spécial. Ouais, parce que moi j'ai vraiment tu vois, je me place à l'extérieur, si on peut dire, et c'est comme ça que je vois, parce que j'ai vu deux formes d'islam. Comme tout à l'heure, il y a quelqu'un, mais je crois que c'est Jacques Ojac, qui parlait d'un basculement à partir des années 90, et moi j'ai vu aussi ce basculement. Donc on a eu le même sentiment, c'est de savoir qu'avant il n'y avait pas de problème avec l'islam, et d'un coup on a vu arriver des codes aussi, voilà, des femmes qui mettent des burkas. On n'avait jamais vu ça en France, tu vois. C'était un phénomène complètement récent. Donc, ce qui veut bien dire que même la première génération des femmes qui ont immigré, je veux dire, dans les années 50 ou 60, ou même comme certainement la grand-mère d'Albert Ali, comme il disait lui-même, qui a immigré juste après la Seconde Guerre mondiale, on peut imaginer qu'elle ne se promenait pas comme ça déjà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces jeunes nouvelles générations s'accaparent ces codes? Ouais, mais là-dessus, c'est vrai. Tu vois, c'est qu'il y a des agents d'influence quelque part qui ont joué, c'est sûr, c'est certain. Par contre, juste sur la burqa, on va la rappeler, même si on l'a déjà fait plein de fois, c'est vraiment lié à des traditions. Je crois que c'est plus d'Asie centrale, hein, Afghanistan. Oui, la burqa, Asie centrale, le niqab, c'est plus le golfe, c'est ça. Voilà, qui se retrouve aussi dans le golfe, mais c'est même pas, je crois que c'est même pas originaire du golfe, je crois que c'est plus originaire d'Asie centrale, vraiment. D'Asie centrale, d'accord. Ça se retrouve beaucoup, ça s'est retrouvé énormément dans le golfe, notamment en Arabie Saoudite. Et c'est arrivé par je ne sais quel procédé en France, et vraiment, et là je suis d'accord, ça peut être au moins surprenant pour le français de base qui se promène dans la rue en France. Ça doit être un choc. Ça doit être un choc culturel, comme disait Albert Ali. Et oui, là, il y a dû avoir des agents d'influence qui ont joué. Et une mauvaise compréhension peut-être de certains, parce qu'en plus le pire, c'est que ça s'est retrouvé chez des gens convertis en plus. Ah oui complètement, oui, alors ça, oui totalement. Donc peut-être que ces gens qui ont été, tu vois, ce lapsus veut tout dire, qui se sont convertis, ces gens qui se sont convertis, ils ont été peut-être beaucoup influencés par peut-être ces agents d'influence un peu trop stricte, un peu trop sévère et pas très francophile, c'est moins qu'on puisse dire, quoi. Ouais, hein, mais c'est clair. Non, ben là, alors on dit en plus, il y a des gens qui sont assez d'accord avec cette vision du wahhabisme. Par exemple, on dit le wahhabisme est une secte et les musulmans ne le savent pas eux-mêmes. En fait, le wahhabisme, il faut savoir de quoi on parle. Le wahhabisme, ça vient de Abdel Wahab. C'est un des fondateurs de l'actuelle Arabie Saoudite, qui était avant un espèce de désert bédouin et qui en gros a été pris d'assaut, vraiment assiégé par ce fameux Abdel Wahab là. Ça vient de lui, hein, wahhabisme, tu vois. Donc tu avais des bédouins dans le désert d'Arabie Saoudite, des tribus qui vivaient en tribus, tu vois, en plein de tribus dans tous les coins d'Arabie Saoudite. En gros, il est venu et il les a un peu fédérés autour de et lui cet homme-là, c'est pas un religieux, c'est pas un théologien, tu vois, à la base, hein. C'est un chef de guerre, on va dire. C'est un chef de guerre qui avait des idées bien précises sur la religion, effectivement des idées très strictes sur l'application de la religion. Et aujourd'hui, si tu dis wahhabisme à un saoudien, il te rigole au nez, tu vois. Ça, pour lui, ça veut strictement rien dire, tu vois. Donc moi, je peut-être plus l'idée de... je sais pas si tu as vu la dernière conférence de Soral, qui préfère parler de takfirisme maintenant, tu vois. Mais il parle de takfirisme par rapport à... Alors justement, j'avais demandé la différence une fois à Thierry Messant, et il me disait que c'était un autre courant proche du wahhabisme, les takfiristes qui... Ouais, tu vois, on s'y retrouve plus avec tous les mouvements, les machins... Voilà, plus justement du un peu plus au nord, quoi. Je sais pas si on peut en plus localiser les mecs et tout. Enfin bon, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai qu'il y a des agents d'influence d'un
d'un côté trop radical de l'islam, c'est vrai. Faut savoir que l'Arabie Saoudite, quoi qu'on en dise, il y a des prêcheurs radicaux qui sont mis en taule, hein, en Arabie Saoudite. Hein. Ceux qui par exemple appellent au djihad en Syrie ouvertement, il y en a qui sont mis en taule, tu vois. Il y en a qui sont mis en prison. Bon, voilà, ils veulent peut-être pas faire trop monter la mayonnaise, même s'ils sont dans le fond, ils sont peut-être d'accord, tu vois. Mais ouais, faut rester nuancé, tu vois. J'aime pas, par exemple, les raccourcis, avec toute l'admiration et le respect que j'ai pour Alain Soral, hein, et Salim Laibi, par ailleurs. Les raccourcis, Tariq Ramadan travaille pour une chaîne qatari, c'est un islamo-sioniste. Tu vois, ces genres de raccourcis-là, je trouve, c'est super réducteur par rapport à l'apport que peut avoir un type comme Ramadan. Et je rappelle au passage que Kémi Séba, par exemple, n'affiche pas en public ses désaccords avec Ramadan, tu vois. En public, il reste courtois avec lui, il lui passe, comment dire, il reste amical et courtois. Et voilà. Même s'il y a des sujets sur lesquels ils sont en désaccord, ils vont pas s'insulter publiquement, etc., tu vois. Et bon, je trouve qu'il faut laisser ces genres de querelles aux protagonistes et pas prendre position parce que forcément eux sont pas d'accord, tu vois. Il y a des choses où, d'accord, on doit rester soudés, etc., mais quand ça touche à des querelles personnelles, je crois que on peut laisser les querelles aux adultes et les laisser se débrouiller entre eux et pas forcément, tu vois, insister sur ces les dissensions dans la dissidence, tu vois. Je rappelle que Ramadan, il était sur la liste de Cohen aussi, que même s'il passe dans les médias, c'est parce qu'il joue ce jeu de grand diplomate qui va pas être super radical. Il faut de tout, tu vois. Il faut des radicaux, il faut des diplomates, il faut de tout dans une lutte idéologique. Enfin bon, je suis... Petite digression là, bon, je veux pas me faire l'avocat du diable ou quoi, mais ça me paraissait important de préciser parce qu'on avait eu ce débat sur le chat, bon voilà. Bah, il y a eu pas mal de réactions, bah tu verras, parce que là on arrive à la fin de l'émission, mais il y a pas mal de questions, bah enfin des gens de toute façon qui reprennent en disant, par exemple on me dit oui, sioniste et musulman c'est antinomique. À la base je serais d'accord, sauf que on peut parler de musulmans sionistes dans la mesure où c'est des gens qui se prétendent musulmans et qui à la fois soutiennent les sionistes, donc je ne sais pas comment on peut faire autrement, hein. C'est un peu, oui, antinomique, mais ça correspond bien en tout cas à l'état d'esprit de l'Arabie Saoudite quand même. Donc écoute, à l'assaut, merci. Merci beaucoup de m'avoir permis de m'évader de mon cloître polonais, encore une fois, dans quelques minutes. Et bonjour à tous les métallos, à toute la team, à la régie, etc. Toujours à l'affût de quenelles et de quenouilles. Merci, ça marche. Merci à toi. Ça fait plaisir, en tout cas, il n'y a pas de souci. Tu reviens quand tu veux à l'assaut, il n'y a pas de problème. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée, salut. Marche, mon mec n'était pas branché, donc c'était à l'assaut avec nous en direct. On le remercie, on le remercie d'être venu. Alors attends, il faudrait juste que j'arrive à couper ça, voilà. Et merci en tout cas d'être intervenu à l'antenne. Un débat encore qui va pas s'arrêter, vous avez mis des tonnes de commentaires parce que il y a tellement de choses à dire de toute façon sur ce sujet que je crois que c'est... un peu inépuisable et on aura l'occasion d'y revenir. Il y a plein de réactions par rapport, oui, à la famille Seyoud. En tout cas, bon, moi j'oublie pas que c'est quand même un agent du MI6 qui est parti donner l'indépendance à toute cette région. Un certain Laurence d'Arabie qu'on nous présente comme un héros britannique qui est venu dans cette région pour expliquer aux Arabes, écoutez, il faut vous révolter contre l'Empire ottoman et réclamer votre indépendance. Un agent britannique bien connu et de rentrer dans nos livres d'histoire comme un héros aventurier d'une certaine époque. Voilà comment on a accompli l'histoire. Je sais que vous êtes assez d'accord, il y en a pas mal qui ont mis oui,
voilà, qu'il y a eu pas mal de problèmes avec le basculement, le wahhabisme. Bon, bah écoutez, c'est des sujets, je vois, qui vous intéressent. On en reparlera. Demain, on se retrouve même heure, même endroit avec Quinto Vasquez. Donc, ça va être encore du rap. Hein, pour les... Putain, ils en ont marre, les mecs, on va leur faire des overdoses. Donc, demain, Quinto Vasquez, mais on va avoir une discussion, je pense, une entrevue très intéressante. Puisque voilà, il est aussi fait partie de ce qu'on appelle pour moi les rappeurs dissidents. En tout cas, il est en dissidence avec tout le reste du mouvement rap, comme beaucoup de rappeurs qui viennent ici, vous l'avez remarqué. Et ben voilà, on parle de ça demain avec lui. Merci à vous tous d'être voilà, d'être présents. Merci voilà, à tous ceux qui étaient sur le chat comme d'hab, Doom Doom, Victor, Solo l'Atelien, Fire, Ankylosi, Youssouf le Croyant, Atanor, Polo le Dizwa, moi Tascad, Free My Man, Alasso, Zilzel, Tanel, Rémi 78, Youssouf le Croyant, Tanel, etc. etc. Vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas tous vous citer. Cyrine, Mehdi Landru, Malababs, etc. Mister Kenel, Pipo, Cyrine du 38. C'est pas Amandine, j'espère. Peut-être une copine, je sais pas. Non, bon, je rigole. On se retrouve demain. Et voilà, vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À vous, la régie.